The latest release of Photoshop CC includes powerful new features to help you work even better. Get more control over your design with our improved content-aware fill tool powered by Adobe Sensei. Choose which pixels to use in your fills and which to exclude. You can even create fills on separate layers. And turn shapes or text into frames with our new frame tool. Just drag and drop images whenever you're ready and they'll automatically be resized to fit the frame. Now you can paint in a perfectly symmetrical pattern thanks to our new symmetry mode. Then you can choose from preset types like circular, radial, spiral, and mandala. Just choose your axis or axes and the number of segments. We've also made a number of user experience improvements to make Photoshop more intuitive. This includes our multiple undo function, allowing you to go back multiple steps without having to use the history panel. Just Command Z as many times as you need to get back to where you want. And you can work uninterrupted with our new auto commit feature. Your actions like crop, place, transform, and text entry will be automatically committed when you click on a new tool or layer. You don't have to hit return or check the box anymore. Now when you're using blend modes, you can see a preview of each mode on your canvas before you commit to a change. This saves you the time of having to guess and then undo if you don't like the results. Check out all this and more in our new release of Adobe Photoshop CC. Toutes et à tous, rebonjour. J'espère que vous nous avez suivis sur cette nouvelle page, parce qu'on essaye de vous promener, de voir si vous pouvez retrouver les différents liens au fur et à mesure, tout simplement parce que ça va nous permettre, nous, d'aller chercher directement nos speakers. Quand je vous dis, allez regarder sur la page YouTube et tapez Caroline Attia, eh bien vous retrouverez directement le bon lien, et si vous arrivez ici, pour répondre donc, pour dire bonjour à Abdel Raouf, pour dire bonjour à Arnaud, qui nous dit, cette vidéo commence à quelle heure le live? Mais on est en live, on Arnaud. Est là. Voyons. Regardez, donc à mes côtés, Stéphane Barrère. Arnaud a été timide. Non, c'était une blague, Arnaud. Ouais, non, mais c'est son message. Zut, vous ne pourrez plus lire dans le chat que ce jour-là, Arnaud était persuadé qu'on ne voulait pas lui donner la bonne info. Rebonjour Alexandre, rebonjour Ben Illustrateur, ou peut-être c'était hier, je ne sais plus. Le temps passe vite, temps file. On est toujours au Masterclass IAMAG. Je suis toujours accompagné de brillants artistes, de brillants intervenants. Mm-hmm. Ici Stéphane Baril, qu'on a pu retrouver. Bonjour. Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour. Oui, bonjour. Nous, on s'est déjà dit bonjour, mais je dis bonjour. C'est vrai. Stéphane, qu'on a pu retrouver tout à l'heure, tiens, je veux bien, c'est derrière mon écran, qu'on a pu retrouver sur la scène de l'industrie des masterclass. Alors là, on les retrouve au bar, c'est toujours sympa. C'est cool. Il y avait énormément d'artistes différents, il y avait énormément de portfolio reviews, certains guests qui étaient présents, des gens très très rares qui sont venus donner de leur temps, rencontrer un petit peu tout le monde. Et puis dans les Industry Talks, tous les sponsors qui ont participé et qui ont proposé bien des talks dédiés à ce qui se fait de mieux en matière de technologie. Et toi, tu as donné plusieurs talks lors de ces masterclass. Oui, alors aujourd'hui, c'était un talk sur les outils et services d'Adobe pour l'industrie de l'animation, en gros, où je passe en revue les différentes, parce que souvent, on a souvent la question de, en fait, par des débutants, il y a Animate, il y a Character Animator, il y a de la 3D, mais en fait, quel est le meilleur outil, etc. Et donc, tout le talk, finalement, au-delà de passer en revue les outils Adobe et leurs spécificités en termes d'animation, était de dire, ça va dépendre de votre budget, ça va dépendre du choix artistique. Bien sûr. Ça va dépendre aussi du médium. Je donne souvent cet exemple-là parce qu'il est assez parlant. Quand vous faites de l'animation image par image, comme le faisait, par exemple, Caroline juste avant, si vous faites vraiment pour du cinéma grand écran, vous allez dessiner chaque bouche et même chaque son, en fait, tout simplement parce qu'il n'y a pas que le son, il va falloir faire un acting, en fait, par-dessus. Alors que pour la série TV, on va souvent dessiner des bouches et, en fait, on va faire du remplacement pour gagner du temps. Donc, en fonction aussi du médium, on va choisir différentes méthodes. Et donc, je parlais ici, en fait, aussi des différents fondamentaux de l'animation. Dans les fonctions, l'image par image, l'interpolation en français, le remplacement, ce qu'on appelle aussi le swap de symboles, aussi le code art, la générative, bref, donc je passais un petit peu en revue. Énormément de contenu au fil du temps, quoi, c'est exactement, vraiment... Exactement, voilà. Et donc voilà, donc c'était un petit peu un tour d'horizon aussi bien sur l'industrie de l'animation, sur les spécificités des logiciels, et puis tout ça illustré ici. Et d'ailleurs, ça m'a donné l'idée pour aujourd'hui, parce que voilà, j'étais en train de me demander, et je vais vous poser la question d'ailleurs dans ce que vous voulez... Ce que vous voulez voir. Moi, j'avais une idée, mais vous me direz, en fait, de vous parler de quelque chose qui s'appelle Mixamo, qui fait partie de l'abonnement en fait Creative Cloud. Il y a aussi un logiciel qui s'appelle Suse, et de vous faire un petit tour de ce que ça donne. Et du coup, je ferai aussi un petit passage si c'est ce que vous choisissez. Donc, dans ce cas, mettez Mixamo dans la zone. Ça me donnera aussi la possibilité de passer un petit peu aussi sur After Effects pour vous montrer des petites choses assez sympas, vu qu'on est partenaire aussi avec After. Ou alors, simplement, des trucs plus trucs et astuces de Photoshop pour la peinture numérique. Voilà, on va dire, faites peinture ou Mixamo, sachant que bien sûr, je ferai un petit peu aussi de Mixamo, faire un peu de peinture aussi avec Mixamo, mais voilà, donc c'est, je vous laisse un petit peu... On vous laisse quelques secondes pour trouver, pour pouvoir réagir ou nous dire, oui, c'est de ça qu'on a envie, de Mixamo, on a envie... Voilà, et pendant ce temps-là, je vais vous montrer un petit peu le mind mapping, alors je sais pas si vous connaissez des applications de mind mapping, c'est la possibilité... Hop là, juste le temps, de façon, je suis en train d'ouvrir le fichier. Vas-y. Une application de mind mapping, c'est quoi? C'est que ça vous permet de venir, en fait, ici, et bien structurer vos idées, en fait, tout simplement, en faisant des nœuds, comme on voit ici, en pouvant redéplacer des éléments, etc. Donc, ce dont je vous parlais, en attendant votre réponse, ici, eh bien, c'est qu'effectivement, donc en fonction des choix artistiques, du médium, etc., en fonction du style, donc si on parle des choix artistiques, finalement, j'ai essayé, en fait, ça fait des années que j'ai ça en tête, que j'essaye d'un petit peu classifier les styles d'animation, donc l'animation faite main, plutôt organique, plutôt cartoon, donc vecteur ou pixel, 3D, le stop motion, etc. Et qu'en fonction de ça, finalement, on va s'apercevoir que quel que soit finalement le style, qu'on soit en 2D, qu'on soit en 3D, finalement, dans les grands principes en fait, d'animation, il y a l'image par image, le frame by frame. Donc là, on voit par exemple juste ici avec le dessin à la main, donc, et on va retrouver l'animation celluloïde, traditionnelle, mais ainsi un flipbook aussi. Prenez simplement, quand vous voulez commencer de l'animation par vous-même, un bon petit bloc de post-it. Alors, rien que ça suffit juste à s'amuser, à faire des choses. Et puis finalement, c'est aussi l'image par image quand on fait de la clay animation, sur de la pâte à modeler, parce que simplement, on va modeler, on va prendre en photo, on modèle, donc on fait de l'image par image.
Et une variante aussi, c'est le cutout. Donc là, c'est une illustration des Monty Python, bien entendu, avec Terry Gilliam. Et puis aussi des modes un peu plus mixtes, comme la pixelation, où en gros, on va faire un peu du stop motion mais avec des humains, etc. Et puis ensuite, on va se retrouver avec, en français, ça s'appelle les interpolations. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus classique si vous venez un petit peu du motion ou autre. Mm-hmm. C'est simplement l'objet, il est là. Dans le temps plus tard, il sera là. Peut-être qu'il va suivre une courbe particulière d'animation. Et puis avec des ralentis, des easing, ease out. Et du coup, voilà, ça va être interpolé. Donc ça, on l'utilise en 3D, on l'a dans Animate, on l'a dans énormément de software, de logiciels. Excusez-moi pour le franglais, parce qu'on parle français et anglais tout le temps ici. Je pense qu'ils s'en sont aperçus aussi, dans le sens où on a reçu des invités anglophones. Mm-hmm. Rufus a reçu les anglophones. Moi, je me suis occupé des francophones, mm-hmm. mais des faux francophones, des Français qui ont migré aux États-Unis, oui, qui reviennent avec plein d'anglicisme partout. On a réussi. Hein. Voilà. Donc si on revient par exemple aussi après, donc l'exemple que je vous donnais pour les bouches par exemple, le swapping de symboles, le remplacement, enfin ça porte plusieurs noms. Par exemple dans Animate, on va dessiner en fait les différentes bouches dans un symbole graphique, hein, pour ceux qui connaissent. Et puis finalement, quand on va entendre les bons sons, quand on va faire la synchronisation labiale, on va couper et remplacer en fait le contenu. En fait, ici, ça se fait assez facilement. Et c'est finalement ce qu'on retrouve aussi sur Studio Hardman, où avant, ils faisaient vraiment tout en pâte à modeler. Et après, ils ont commencé à faire des bouches qu'ils peuvent remplacer. Hein, c'est ce que vous voyez ici, là, sur Pirate. Et de manière à pouvoir les remplacer. Et donc, on prend une photo à chaque fois. Et puis en 3D, on a un équivalent que j'appelais Mesh Blend. Ça porte plusieurs noms aussi. Où c'est de vraiment sculpter en fait des expressions vraiment radicalement différentes d'un personnage, hein, c'est ce qu'on voit à peu près ici, et ensuite on va pouvoir faire de la fusion entre les mèches avec des petits curseurs, avec des petits contrôleurs, donc c'est la même idée. Et puis la motion capture, donc la capture de mouvement, qui d'abord au niveau traditionnel était un petit peu comme vous le voyez ici, hein, donc chez Disney. Chez Disney, effectivement, on prenait des médias et on allait redessiner, s'inspirer du modèle en image par image, du modèle vivant, en réinterprétant avec tout le talent des dessinateurs, bien sûr, de Disney. Et on retrouve ça, bien entendu, Serkis, sur Le Seigneur des Anneaux avec Gollum, avec de la motion capture, avec ce qu'on appelle avec sensor, c'est-à-dire avec point de contrôle et des éléments. Et de plus en plus, et là je vais montrer Character Animator par exemple, où là on est juste devant une caméra et grâce à de l'intelligence artificielle, eh bien automatiquement tous les points de visage sont traqués si vous avez jamais vu. Et dans les autres modes d'animation, vous allez avoir le procédural génératif. Donc si vous regardez par exemple les travaux de Eric Natsky, c'est l'art complètement extrait et généré, parfois dynamiquement, par du code ou par du procédural. Et même principe finalement pour tout ce qui est animation de particules, de fluides, de flammes, etc. dans vos effets spéciaux. Et puis bien entendu, la plupart du temps, on va avoir aussi des méthodes mixtes. Et pour l'exemple, j'avais montré que Animate, par exemple, Animate CC, ça fait de l'image par image, ça fait aussi bien du twinning, ça fait aussi bien du swap et du générative. Il ne fait pas le motion capture. Par contre, il y a quand même un peu de motion capture dans le sens où pour le lip sync. Pour le lip sync, il est capable de récupérer. Là. Voilà, vous mettez le dialogue sur la même timeline et vous lui dites d'aller calculer en fait, le lip sync, en fait, le swap de bouche, à partir finalement de la timeline. Donc peut-être je dois mettre à jour cette note parce qu'effectivement, il fait quasiment toutes les méthodes. Et donc voilà. Et donc on va avoir différentes méthodes ici, de différents logiciels pour l'animation. J'ai mis Photoshop parce que effectivement, vous en avez parlé, j'ai entendu. Par exemple, dans Photoshop, il y a une ligne d'animation, une ligne de temps. Et effectivement, j'ai développé un petit plugin open source qui permet de faciliter en fait ce travail ici. Et donc l'idée venait, c'est aussi de vous montrer parce que dans votre abonnement Creative Cloud, il y a souvent ce qu'on appelle en anglais des hidden gems, des trésors cachés, des choses qu'on voit pas et qu'on a en fait dedans. Par exemple, portfolio, les 5 sites, par exemple Adobe Font, plus de 16 000 fontes. Il y a Mixamo. Donc voilà, c'était l'idée. Donc c'était un petit peu l'idée. Et du coup, par rapport aux réponses, qu'est-ce qu'on a ? Moi, j'ai du Fuse, c'est le top. Plutôt de l'astuce Photoshop, du peinture, du Mixamo avec l'explication, la liaison de Fuse Mixamo. Je pense qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de réponses sur Mixamo. Ok, alors on fait ça. Hop. Alors on va aller sur le navigateur, déjà pour vous montrer. Ici. Donc mixamo.com, tout simplement. Vous allez sur mixamo.com. Et ici, voilà. On va ouvrir le navigateur. Là, je crois que je suis déjà authentifié, mais j'avais fait normalement sur mon bureau.
j'avais fait une petite capture pour vous montrer l'écran d'accueil parce que il va nous permettre très facilement en fait, d'illustrer un petit peu ce que c'est que Misamo, puis je vais vous donner un petit peu d'historique aussi. Voilà. Voilà. Donc là, c'est la capture. Quand vous n'êtes pas enregistré, enfin authentifié, vous avez sur ce portail et ça illustre très bien. En fait, à la base, c'était une société italienne d'ailleurs, qui s'appelait Misamo. Le but était d'avoir un studio de motion capture, c'est-à-dire et de louer ça pour des studios d'animation. C'était pour le jeu vidéo, tout simplement parce que dans un jeu vidéo, on va souvent faire des petites boucles d'animation, on va les capturer, et ensuite ces petites boucles d'animation, finalement votre gamepad, bien va simplement faire des fondus, un petit peu comme des fondus de calque, mais en mouvement en fait, va faire des fondus directement. Donc l'idée c'était de faire ça et puis de louer le studio. Et ils se sont aperçus assez rapidement que les gros studios avaient déjà ça à la maison. Et que les petits studios s'en moquaient complètement en fait, de faire ça eux-mêmes, ils voulaient juste la donnée d'animation. Mais pour pouvoir faire ça, sans être trop technique, mais juste pour information, quand on fait de l'animation à la main, c'est-à-dire on bouge soi-même le rigging, c'est de l'IKI, de l'inverse kinematic, et quand on fait de la motion capture, c'est de la FKI, de forward kinematics. Ça doit être rigué, donc il doit y avoir un squelette et un attachement qui est particulier pour aller avec cette data-là, en fait. Et donc, ils se sont dit, finalement, on fait un pivot, ce qu'on appelle un pivot quand on est en société ou en start-up. On a fait un pivot et en fait, ils ont plutôt embauché des comédiens, on fait plein de loops d'animation, on va les voir tout à l'heure. Et finalement, on va pouvoir utiliser, et leur but, c'était de se dire, on va créer cette plateforme pour pouvoir créer, donc vous créez vos personnages, ce qu'on appelle en position T, les jambes un peu ouvertes et les bras comme ceci, avec leurs textures, etc. Et ensuite, on les exporte, on les importe en fait dans Misamo. Et Misamo va faire ce qu'on appelle l'auto-rigging, c'est-à-dire le squelette, le placement, la déformation, etc. Et ensuite, il va y avoir une banque d'animations qui vont bien aller sur ce squelette. Donc voilà en fait l'ADN en fait, de Misamo, pour vous expliquer un petit peu. Donc ici, je vais pas vous montrer, je vous montrerai comment par exemple créer ce personnage avec Fuse après. Mais à la base, avant qu'il y ait Fuse, ce logiciel, il y avait juste le portail. On upload, donc on charge le personnage, il analyse, on lui dit où sont les épaules, etc. très facilement dans le navigateur. Et ensuite, il travaille. Est-ce qu'on veut ou pas animer les mains? Parce qu'il y a des fois des personnages secondaires, on s'en moque. Donc dans ce cas-là, il va simplifier en fait le rig. Et voilà. Et à partir de là, on a notre personnage qui est ici dans Misamo. Et là, vous voyez qu'il y a toute une banque d'images. Là, je voyais que j'ai énormément de paramètres d'animation. Et vous voyez qu'il y en a 96 pages comme ça. Donc ça fait quand même pas mal. Et vous pouvez bien sûr rechercher, par exemple, là, je vais dire Walk. Voilà. Et voilà, on va trouver tout un tas de marches. Allez, on va la faire boiter. Voilà, ici. Voilà. OK. Et vous avez bien sûr la possibilité de faire ça plus lentement, plus rapidement, et en fonction des personnages, l'espacement des bras, parce que si vous uploadez un personnage qui est assez fort, les bras risquent de rentrer à l'intérieur de la géométrie, et ainsi de suite. Donc en gros, vous faites ça, et vous pouvez même lui dire, là pour le test, parfois c'est mieux de le faire en place, en fait, au lieu qu'il avance et qu'il sorte de la fenêtre ici, ainsi que des miroirs. Et donc vous faites simplement télécharger. Voilà, donc historiquement, et on met ça dans son moteur de jeu, dans un logiciel 3D, on verra tout à l'heure avec Misamo, avec CinemaCAD, et je vais vous montrer des petites astuces pour utiliser en fait ça facilement ici. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Okay. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite et on finira par Photoshop du coup pour la petite histoire. Donc si je reviens ici, excusez-moi. On est en train de perdre Stéphane au bout de plusieurs jours de live, au bout de plusieurs jours de direct. C'est la fin, puis c'est peut-être les soirées à l'extérieur qui... Non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Oui, c'est aussi, ça fait aussi partie de l'événement, bien de sociabiliser et d'échanger avec les artistes, parce qu'il y a souvent autant de talents sur scène que dans la salle ici à Yamag. Vous avez pu le voir, hein, parce qu'on a eu on avait le line-up des artistes sur les masterclass, et on a eu dans l'audience, j'ai récupéré tout un tas de gens qu'on connaissait, qui n'étaient pas forcément cités à l'affiche, et pourtant vous avez vu énormément de contenu, etc. Cassis, Bastien, Jessica. On va avoir Gaëtan tout à l'heure aussi. Enfin, voilà. Donc là, je suis sur CinemaCAD. D'ailleurs, un petit sondage, qui utilise CinemaCAD, faites oui, non, dans le chat, comme ça on va voir. Pareil, on a toujours un petit décalage ici. Donc, en gros, ce que j'ai fait donc, dans Misamo, juste pour revenir ici, donc vous appliquez, vous faites télécharger. Vous appliquez un autre, vous faites télécharger. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plusieurs boucles, je l'ai déjà téléchargé pour gagner du temps, plusieurs boucles en fait sur un personnage. Et ensuite, je vais pouvoir le fondre dans CinemaCAD pour faire une animation complète sans avoir besoin de faire une seule image clé. En gros, plutôt sympa. Donc voilà. Donc ici, si je viens dans CinemaCAD, dans le menu fichier ou ici dans fichier au niveau
au niveau de cette fenêtre, vous allez faire, ça s'appelle fusionner, emporter. On fusionne un élément avec les éléments. Et ici, bah, voilà, c'est tout ce que j'ai téléchargé. Donc il télécharge un fichier FBX et il télécharge aussi les matériaux à côté. Donc là, je vais prendre juste le cycle de marche. Donc j'importe, je dis oui, j'ai pas besoin de regarder ici. Ce qu'il va falloir faire, par contre, juste pour la petite information, c'est que je vais prendre ici, vous voyez, c'est les yeux, les éléments. Donc je vais prendre tous les éléments qui sont finalement la géométrie, ce qu'on appelle le mesh aussi, et je vais les grouper. Donc c'est Alt-G pour grouper. Voilà, et puis je pourrais appeler ça mesh. Et surtout là, le rig, c'est le squelette finalement. Et le squelette, vu que je vais en importer plusieurs, je vais l'appeler walk. Exactement, voilà, c'est plus pour m'y retrouver hein, moi-même dans ce que je vais faire. Okay. Et maintenant que j'ai ça, je vais aussi reprendre en fait ce walk et je vais aller dans le menu animé. Et dans le menu animé, il y a ajouter clip de mouvement. Donc je fais ceci. Il faut bien faire attention parce que quand vous démarrez Cinema 4D, ici, regardez bien, il y a supprimer animation incluse dans l'onglet original. Donc ça veut dire que je perdrai mon animation, ça serait un peu bête. Donc juste pensez à le désactiver la première fois, après les autres vont garder cette information-là. Et voilà, et vous allez avoir ce petit tag qui apparaît juste ici. Donc maintenant, je vais importer un deuxième. Je vais dire fusionner, et je vais prendre par exemple celui-là qui est Falling and Roll. Donc là, en gros, la personne fait une roulade, en fait, tout simplement. Et si vous avez déjà essayé d'animer et de faire des roulades avec un soft 3D ou autre, vous pouvez comprendre un petit peu pourquoi je m'amuse à prendre celui-ci. Mmh. Voilà. Donc je fais OK, même principe. Là, j'aurais pu, dans les options d'import, ne pas lui demander d'importer la géométrie, mais finalement, je me suis aperçu que de tout le temps enlever les paramètres, je risque des erreurs. Donc vaut mieux prendre, je prends les géométries doubles et simplement je les supprime, ça va quand même plus vite. Et pareil, toujours pour m'y retrouver, je vais appeler ça Fall. Voilà. OK. Et même principe. Donc maintenant que ce squelette est pris, je vais aller dans Animer et je vais lui dire bah ajoute clip de mouvement. Voilà. Même principe, je vérifie ces petites cases et je dis OK. Voilà. OK, à partir de là, j'espère que ça va. Donc par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure d'ailleurs que j'ai oubliée. quelle était cette question? Non. Patrick a posé une question hyper importante. Ouais. Peut-on savoir combien de logiciels maîtrise Stéphane? Aucune idée. Voilà, j'ai répondu qu'on ne pouvait pas quantifier l'infini. Merci. C'est une question à remettre plus tard. Alors en fait, j'avais eu ça moi avec un ami qui parle 14 langues. Okay, un ami qui est marocain, qui s'appelle Mohamed Targhisti. D'ailleurs, si jamais ça lui vient aux oreilles, je le salue. qui est un maître d'arts martiaux en fait. Que j'avais rencontré, donc il est marocain, donc il parle français parfaitement, il parle bien sûr marocain, il parle bien sûr anglais. Et puis déjà à l'époque, il avait un téléphone portable quand il venait en fait faire des stages avec notre maître en commun. Et en fait, à chaque fois qu'il était au téléphone, souvent il y avait une langue. Je me disais, tiens, c'est Marcel Béliveau, il y a surprise. Mmh. Et des langues, par exemple, le suédois. Donc du coup, de portugais, etc. Et en fait, je lui demande, et en fait, il m'avait expliqué une chose qui paraît toute bête une fois qu'on le sait. Il me dit, mais en fait, le suédois, simplement parce qu'un de ses meilleurs amis d'enfance était le fils de l'ambassadeur de Suède. toute sa vie. Voilà, il a été au temple de Shaolin, un des premiers non chinois est au temple de Shaolin pendant 2 ans. Donc voilà, donc il a appris plusieurs choses. Et il me disait, non, je parle parfaitement 7 langues, et en fait, 14 en tout. Avec celle dont il connaît les rudiments. Plus de marocain, enfin bref, et ça, il ne comptait pas. Et donc, il va te falloir des badges. C'est ça. Et en fait, il m'a dit quelque chose, et je pense que ça s'appelait mais à 100% à tous les domaines. C'est que tu commences à avoir des... Et Rufus pourrait nous dire, parce que Rufus aussi parle beaucoup de langues. En fait, on commence à retrouver des structures communes en fait, dans les différentes langues. Et que plus on pratique et plus on fait, plus c'est facile de faire des ponts. Donc moi, en fait, j'ai réalisé à partir de ce moment-là que si je connais la notion d'une ligne de temps, si je connais la notion de travail non destructif, de calque, si je connais différentes notions comme ça, finalement, c'est assez facile de passer, ou le swap de symboles dont on parlait, c'est assez facile finalement de passer au bout d'un moment, enfin relativement facile, on va découvrir plus vite simplement, parce qu'il y a bien sûr des spécificités dans chaque logiciel, mais ça va être facile finalement de jouer avec. Voilà, donc c'était pour la petite histoire et pour dire... n'oublions pas non plus que ça fait maintenant 12 ans que je suis chez Adobe et que je suis payé pour faire de la veille technologique aussi et vous la restituer. c'est quand même mon métier aussi à la base. Donc si on reprend ici, qu'est-ce que l'on a? On a effectivement deux squelettes là qui bougent. Il y a celui qui marche et il y a l'autre. Okay. Et pour l'instant, il ne se passe rien. On voit bien qu'il y a deux squelettes, mais il y a un seul personnage qui bouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur le petit tag du walk, du premier que je veux comme boucle d'animation. Et quand vous avez ici, vous avez les propriétés ici, en fait, qui arrivent. Et vous allez ouvrir dans
LT, la ligne de temps. Okay, la ligne temporelle, exactement. Donc là, je me retrouve avec mon élément. Je vais venir zoomer, dézoomer ici, juste pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà ce qui se passe. Et vous voyez que je me retrouve, et c'est pour ça que j'ai renommé, je me retrouve avec Walk et Fall. Je prends Fall, et je le mets derrière, ici. Et ils vont pouvoir se retrouver à la suite l'un de l'autre, ils vont avoir le même corps. Et je vais prendre maintenant, et je vais rentrer à l'intérieur, histoire qu'il fasse une zone petite grisée ici. Il va faire un fondu entre les deux mouvements. Voilà. Donc du moment où je fais ça, alors on voit par contre qu'ils reculent parce qu'ils étaient à l'origine du monde hein, ici. Donc on voit qu'ils reculent là dans le fondu. On voit que hop, ils glissent et ils reculent pour faire la roulade. Donc maintenant tout ce que j'ai à faire, c'est finalement faire correspondre à peu près l'emplacement où la marche finit et l'autre. Donc je fais un clic droit en fait sur le deuxième et je vais demander ici afficher en mode courbe F. On peut faire avec les autres, mais moi je préfère celui-là. Voilà. Et en fait ça me donne ça. Voilà. Alors au début, on voit trop de choses. Moi, ce qui m'intéresse finalement, là, c'est le Z. Alors juste un petit truc aussi en 3D, si vous ne connaissez pas trop la 3D, pour pouvoir retrouver facilement les axes, hein, vous voyez, il y a des couleurs. Vous pensez, si vous venez surtout du design, RVB, rouge, vert, bleu, donc les axes rouge, vert, bleu, X, Y, Z. Ok, ça c'est juste pour savoir. Donc nous, c'est l'axe Z qui nous intéresse. Et là, par contre, quand je sélectionne l'axe Z, je vois encore tous les points. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans les courbes de fonction et demander de ne pas afficher toutes les pistes. Voilà, et là, comme ça, ça va être quand même beaucoup plus simple pour moi de venir, hop, récupérer. Je sélectionne toutes les clés, finalement, qui sont les clés que vous apercevez ici, enfin, pour le déplacement. Et je vais plus qu'à avoir à juste déplacer, tac, pour faire à peu près correspondre. Et voilà. Sympa, non? J'attends vos réactions. Et vous pouvez en enchaîner autant que vous voulez, en fait, hein. Moi, je crois que juste pour le fun, j'allais en faire 14, en fait. Fait un petit personnage un peu goofy, qui attendait dans des positions, qui arrivait. Il avait plein de dominos autour, et qu'il avait mis en aligné, puis il tombe dessus comme un goofy. Et puis il se relève, un peu hébété. Donc j'en avais mis, je crois, ouais, 14 à peu près, comme 14 successions, 14, pour pouvoir vraiment tester en fait, l'enchaînement. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Ici. Ouais, je crois qu'ils viennent juste d'arriver là, donc on va aller juste à ta question. Tu sais, il y a toujours je sais ce lag. Il y a ce petit délai, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, ce qu'on va voir, c'est que là, comme je vous disais, en fait, c'est du FK, du Forward Kinematics. Forward Kinematics, en gros, vous mettez comme ce qu'on appelle du parentage. Vous mettez un lien là, un lien là, un lien là. Et en gros, si je veux bouger le bras, il va falloir d'abord que je bouge ça, ensuite que je bouge ça, ensuite je bouge ça, et ainsi de suite. En fait, c'est pas facile à animer, en fait. Alors c'est très bien pour des grues, des trucs mécaniques, c'est parfait. Mais pour du personnage, c'est pas très bien. Mmh. Donc en fait, mais pour pouvoir faire appliquer la motion capture, on est obligé d'avoir du forward kinematics. Bien sûr. Donc en fait, j'ai trouvé un petit utilitaire gratuit, open source pour être précis. Donc je fais un nouveau document. Je vais importer ce coup-ci le personnage que j'ai mis dans Mixamo, mais que j'ai laissé en posté. Je l'ai en posté, donc une fois qu'il y a eu le rigging, donc le squelette, juste on va l'importer, c'est tout. Donc je dis OK. Voilà, donc je vais me retrouver encore une fois avec la même chose. Donc je vais, pour les mêmes raisons, sélectionner les éléments et les grouper. Alt G. Voilà. Et vous ne renommez surtout pas le squelette, parce que là, on n'en veut qu'un. Et en fait, le petit script a besoin de ça. Donc le petit script, je vais vous le montrer. Une fois qu'il est installé, hein, le gars qui a fait le script, je crois que c'est un coréen, je crois me souvenir, explique, hein, y a un petit tuto qui explique exactement où poser les éléments pour que quand on démarre, ça soit dans les pré-réglages ici de la médiathèque. Et en fait, ça s'appelle RH Character Tools. Ok. J'en profite aussi pour montrer un truc, même si peut-être que tu l'as mis. Si vous allez sur mon site, sbaril.me, vous trouverez des liens sur tout ce que je fais. Et un lien aussi que je donne souvent, qui est mon espace de bookmark d'Igo ici. Où en gros, comme je vous disais, je suis un peu payé pour faire de la veille technologique et créa, en fait, tous les jours. Donc tous les jours, je regarde des flux d'informations et je bookmark. Et je bookmark dans son service et je peux mettre des tags, des mots-clés. Du coup, si vous regardez par exemple Cinema 4D, vu que là on parlait d'un plugin Cinema 4D, eh bien vous allez pouvoir ici, Cinema 4D, je suis pas en face du clavier, hop là, trouver tout ce que je trouve, et vous trouverez à un moment donné, je pense, pareil, si vous cherchez squelette, vous trouverez en fait, RH Character Tools, Photoshop Tutorials, etc., vous trouverez aussi, hein, bien entendu. Voilà, donc ça c'était juste pour la petite histoire, vous inquiétez pas, mince, c'était quoi, peut-être que Franck va trouver le lien, mais voilà. Et donc vous allez dans RH Character Tool et vous allez retrouver ça. Donc la première chose à faire, c'est double-cliquer sur Tool Palette, comme ça vous donne ce petit panneau avec tout un tas de contrôles, mais finalement on n'en utilisera qu'un.
Et ici aussi la UI, comme ça on a la même UI que lui quand il fait les tutos. Voilà, ok. Maintenant, on va prendre cet élément-là, qui finalement est le rig. Le rig, c'est les petits contrôleurs qui seront invisibles à l'image, mais qui permettent de contrôler les éléments. Et je dépose. Voilà, c'est tout. Okay. Maintenant que j'ai déposé, je zoome. Et comme il l'a noté très intelligemment ici, bon, même si on ne le voit pas, il va falloir placer ça au talon. Donc, je prends ce petit gizmo. Je le mets au talon et à son milieu de talon. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, donc j'ai bel et bien ce gizmo, j'ai bel et bien le truc qui n'a pas été renommé, je clique ici. Je lui dis OK. Et ça y est. Et maintenant, donc si je reviens ici, je prends ce petit gizmo de transformation et je vais pouvoir animer en inverse kinematics. Donc par rapport à ce qu'on vous disait tout à l'heure, là du coup je peux prendre le final et il va bouger toute la chaîne de manière inverse au lieu d'avoir tout à bouger un à un. Donc voilà. Donc pour vous donner, effectivement, il y a aussi un Gumroad, oui, tout à fait. C'était open source ou c'était payant? Écoute, le RH Character Tools que j'ai trouvé était sur du payant. Ouais, d'accord. Alors, je me suis peut-être trompé, mais à mon avis, c'est pas grand-chose et j'ai dû... C'est effectivement coréen. Non, mais je crois que oui, c'est sur Gumroad et je crois que c'est... Oui, d'accord. J'étais persuadé que c'était open source, mais j'ai trouvé ça tellement génial que de toute façon, je me suis dit, allez, c'est pas grave. J'achète et voilà. Donc ça permet vraiment de gagner du temps. Donc j'espère que ça vous convient. On va quitter maintenant Cinema 4D. C'était juste pour vous montrer ça et vous montrer que. Alors pourquoi aussi je montre Cinema 4D? Parce qu'on est aussi en très fort partenariat avec eux. Vous savez que quand vous installez en fait After Effects, il y a une version light de Cinema 4D. Et depuis une ou deux versions, je ne sais plus, on a le moteur qui était déjà là avant, qui s'appelait Cineware, qui maintenant est vraiment encore mieux intégré. C'est-à-dire que maintenant, quand on va en prendre un calque de forme, de texte, et qu'on va vraiment l'extruder, on peut choisir comme moteur 3D à l'intérieur Cineware, le moteur officiel en fait, de Cinema 4D. Donc voilà aussi pourquoi j'aime bien aussi passer par là, ici. Donc on va maintenant le quitter, et on va revenir du coup toujours sur Mixamo, mais ce cours-ci sur un outil en fait, qui s'appelle Fuse. Donc Fuse FS, qui est en bêta, hein, qui est en bêta depuis quelques années. Donc voilà. Et alors, pour la petite histoire, on est en France. Et en France, il y a une petite loi qui s'appelle la loi Toubon, en fait. Et comme c'est un logiciel bêta qui n'a pas traduit, et surtout qui n'a pas de documentation en français, c'est important dans la loi Toubon, si vous allez dans votre Creative Cloud ici au niveau des applications, vous ne le trouverez pas. Pourquoi je vous parle d'un truc alors que vous ne le trouverez pas? C'est un peu dommage. En fait, vous allez le trouver, mais en fait, la loi française donc, nous interdit de mettre à disposition, bon, beaucoup de gens s'en moquent, mais finalement, Adobe, là-dessus, est encore super éthique. Normalement, on n'a pas le droit de mettre à disposition un logiciel qui a au moins pas une documentation. Une documentation en français. Donc, par contre, si vous allez dans les préférences de Creative Cloud et que vous demandez expressément une autre langue, ça peut être même le français marocain ou autre, vous changez la langue ici. On va dire, moi, je vais en prendre toujours le North American English. C'est la langue par défaut, en fait, des logiciels. Donc, je préfère avoir cette langue par défaut. Et hop, vous revenez ici. Et vous allez trouver Fuse Beta. Vous allez pouvoir l'installer. Une fois que c'est installé, vous pouvez revenir en français. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite histoire aussi. Ici. Donc là, sans le faire exprès, j'ai cliqué aussi. Donc, vous voyez qu'en fait, dans Fuse, j'ai pu choisir déjà... c'est à partir de scan 3D. J'ai pu choisir déjà une tête. Donc là, du coup, je vais continuer avec le même personnage parce qu'on peut mixer, mais on va éviter quand même. Donc, je prends ici mon personnage. Voilà. Donc, en cliquant ici sur les jambes, voilà, les bras. Ici. Voilà. Et donc, je me retrouve avec un personnage. OK. J'aurais pu aussi, par défaut ici, vous voyez que je passe en survol, je peux personnaliser des choses. Moi, je préfère passer, une fois avoir fait le personnage de base, je préfère ensuite aller ici. En fait, donc l'interface est en anglais, comme je vous disais. Et vous allez voir, en fait, là, c'est les bras. Et en fait, dans chaque élément, les bras, la tête, les éléments, je peux bouger les curseurs, mais je peux aussi me laisser guider. Par exemple, là, sur la tête, je vais demander randomize, donc c'est de l'aléatoire. Et vous voyez, en fait, finalement, tous les curseurs bougent et vous pouvez encore revenir dessus à la main et les bouger, etc. Pareil pour tout, les bras, etc. Beaucoup de gens, en fait, ne voient pas ce petit outil-là aussi, qui va me permettre, en symétrie par exemple,
de dire bah, j'aimerais travailler sur les bras. Alors là, je fais de n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Voilà, je veux lui mettre des cornes sur les bras, pourquoi pas, hein, en même temps, je sais pas pourquoi. Voilà, et donc là, je fais un petit reset parce que voilà, ça ne m'intéressait pas de faire ça. Mais voilà, juste pour vous montrer qu'on peut aussi, en fait, grâce à cet outil, aussi sculpter un petit peu. Ensuite, on peut passer aux vêtements, bien sûr. Donc si je reviens ici, je vais prendre par exemple juste, voilà, ce, pareil, hein, je prends ce top, ici, s'il veut bien. Voilà. Et donc, vaut mieux en fait faire, juste pour la petite astuce aussi, vaut mieux faire d'abord en fait les personnages parce que les vêtements vont ensuite venir s'adapter à la forme. Donc, quand on change plus tard ensuite la morphologie du personnage, on peut avoir des petits éléments de texture, de matière qui rentrent dans les autres. Donc, ça, c'est juste pour la petite info. Donc, pareil, donc là, je vais aller sur le bottom. Donc, je vais mettre par exemple une jupe, je vais mettre par exemple voilà, des cheveux ou autre. Bref, là, je ne vais pas passer des heures, vous avez compris, je pense, le principe. Et vous pouvez encore revenir sur les matériaux. Hein, donc, si je reviens ici, juste le temps qu'il initialise les matériaux, allez, ou je vais cliquer là, ça va aller plus vite. Et voilà, on va pouvoir choisir la qualité des matériaux ici, sur la peau. Voilà. Ok. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, que vous avez votre personnage, vous avez trois possibilités par rapport à ce personnage. Vous pouvez simplement aller dans le menu File, Fichier, et demander juste d'exporter en OBJ ou d'exporter que les textures, si c'est que les textures. Et sinon, on va pouvoir envoyer vers Mixamo. Donc là, on va se retrouver dans le même cas que tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'aller dans le navigateur et demander de charger un personnage, eh bien, ça va être envoyé depuis Fuse, ce personnage généré directement là-bas. Et le personnage que j'ai utilisé, finalement, c'était ça. Hein. Et l'autre ici, c'est Save dans les bibliothèques Creative Cloud. Hein. Vous suivez souvent les lives, je suppose. Eh bien, dans Creative Cloud, vous avez un panneau bibliothèque dans tous les logiciels, dans lequel vous pouvez mettre des couleurs, des vecteurs, des pixels, des brosses Photoshop, tout un tas de choses, de manière à ce que quand vous créez un nouveau document pour un projet, quel que soit le projet, bah, vous n'ayez plus qu'à vous servir en fait, dans la bibliothèque de composants finalement que vous allez avoir. Donc là, je vais pouvoir l'envoyer. Il va l'envoyer sur Mixamo. Côté Mixamo, il va faire sa petite moulinette de rigging et ensuite il va vous renvoyer dans la bibliothèque Creative Cloud l'élément. Ça prend en fonction des personnages peut-être 2, 5, 10 minutes. Hein, donc je ne vais pas le faire là, je vais utiliser un personnage que j'ai déjà fait. Et l'avantage, c'est qu'il va se retrouver dans Photoshop. Et donc regardons ici, je vais aller en fait dans Photoshop. Voilà, ici, et puis je vais passer sur une interface. Moi, je suis un grand fan aussi hein, des espaces de travail, des interfaces. Ça me permet, par exemple, ici, se personnaliser, de passer pour la BD, pour le dessin pur, plutôt basique, pour l'animation, de basculer de l'un à l'autre. Donc là, je suis dans l'espace, dans mon espace 3D, hein, où j'ai mis finalement tout ce qui m'intéresse, en fait, sur mon espace. Bah, par exemple, voilà, ici, ma timeline, là, enfin, par là, du coup, il faut que je fasse à l'inverse, comme monsieur et madame Mitéo. Je suis en train de me regarder là-bas sur le retour, ici. Donc, on vient ici, on va se retrouver avec notre bibliothèque Creative Cloud. Et là, dans une de mes bibliothèques, dans celle où j'ai demandé de déposer le résultat, eh bien, je vais retrouver mes personnages. Donc là, je vais prendre ce personnage-là, je le dépose. Voilà. Donc si je le dépose, voilà, donc juste le temps qu'il calcule, les matériaux, les éléments, voilà. Et vous le retrouvez ici, alors juste pour ceux qui n'ont jamais vu l'interface 3D en fait, de Photoshop, pour le rappel, j'avais fait, alors c'était à l'époque de CC 2014, donc il y a eu des petites nouveautés depuis, mais les fondamentaux sont toujours là. Donc soit sur ma chaîne Vimeo, sur mon site Vimeo, soit d'ailleurs sur tuto.com, j'avais mis aussi ces tutos-là, et il y a à peu près 1h45 sur les fondamentaux de la 3D dans Photoshop, okay, où je passe en détail pourquoi, à quoi ça sert et qu'est-ce que l'on peut faire. Mais donc ici, vous voyez que je peux prendre des outils avec l'outil de déplacement, je vais avoir les outils pour gérer le personnage. Mais en fait, même si je suis avec un autre outil, et si je veux juste tourner autour du personnage, vous avez ici ce petit axe du monde, et vous avez des petits gizmos ici qui vont me permettre de tourner autour sans risquer de désectionner ce sur quoi je suis, se déplacer en XY, etc. D'accord ? Donc ce petit gizmo-là est le plus simple pour bouger en fait, le monde lui-même avec le personnage dedans. Okay. Donc voilà, donc on est là. Maintenant, si je viens ouvrir mon panneau 3D, en fait, dans la 3D, vous avez le monde lui-même, donc c'est votre scène. Vous avez l'environnement, ça, c'est souvent parfois une grande sphère en fait, qui va être autour de votre environnement, qui va servir par exemple pour placer des images qu'on appelle HDR dessus, qui vont servir de source de lumière, de source de réflexion sur les objets, etc. C'est aussi, voilà, et tout un tas de propriétés par rapport à elle-même. Vous avez les caméras, vous avez des lumières, et puis ben, là, vous avez vos modèles, et là, j'ai un modèle qui est un squelette, skeleton. Donc ça, c'est ce qui a été généré. Et quand je clique sur le squelette, mon panneau de propriétés va ouvrir quelque chose que vous allez certainement reconnaître.
effectivement, c'est toutes les animations qu'on a vues dans Mixamo. Donc, on a accès à ça dans Photoshop. Donc là, par exemple, je vais juste faire du air guitare. Voilà. Ici. Voilà. Et je me retrouve dans mon panneau, dans ma ligne de temps, dans ma ligne de montage. Eh bien, je vais pouvoir, ici, travailler. Voilà. OK. Voilà, donc ça, c'est déjà, et ça me permettra, par exemple, alors, il y a des usages très simples, hein, en fait, par rapport à ça, par exemple, par rapport à la peinture numérique, ou par exemple, on a envie de faire ce qu'on appelle du silhouettage. En peinture numérique, souvent, on prend le fameux petit bonhomme au cédar, qui porte un autre nom que j'oublie toujours, mais on va l'appeler le bonhomme au cédar, ou on va parfois prendre des objets, et de manière à avoir les perspectives, les raccourcis de dessin. Ben là, du coup, on peut déjà s'en servir pour ça, OK, et puis pour pouvoir s'en servir de référence, et dans l'axe que l'on veut, et dans la position qui nous intéresse. Donc ça, déjà, c'est un premier usage assez simple que l'on va pouvoir faire. Maintenant, par exemple, moi, il n'y a pas longtemps, je me suis refait un t-shirt, etc., avec des contours en aplat, ce qu'on appelle un silhouettage ou un tachage. Un silhouettage ou un tachage en dessin, hein, c'est le contour rempli en fait, de couleurs. En fait. On n'est pas sur, on ne va pas faire du détail, de l'ombre à l'intérieur, c'est un aplat qui est la silhouette finalement. Et donc j'avais besoin de ça, et finalement je me suis aperçu que c'est quelque chose que j'aimais bien. Et donc vous allez simplement, c'est un vrai calque Photoshop, donc vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, et vous allez dans FX, dans les effets spéciaux, dans les effets de calque, et vous allez demander par exemple incrustation de couleurs en français, désolé, mon interface est en anglais. Et là, vous voyez tout de suite que je vais pouvoir faire un silhouettage noir, par exemple, ou de la couleur qui m'intéresse. Et que ce silhouettage va rester un vrai silhouettage dynamique. Voilà. OK. Donc voilà. Donc ici, maintenant, ce que vous pouvez, si vous utilisez Dimension, Adobe Dimension, pour faire des rendus réalistes avec du physical-based rendering, vous pouvez très bien vous dire, en fait, il n'y a pas d'animation, en fait, dedans. Mais par exemple, je peux me mettre dans la pose que je veux parce que je veux faire un photomontage à partir 2D, 3D, avec des matériaux encore plus poussés que ce que vous pouvez trouver dans Photoshop. Dans ce cas-là, je mets dans la position que je veux. Alors là, je vais enlever l'effet ici. Je mets dans la position que je veux, etc. Exactement. Plutôt dans la position de cette manière-là. Et je fais simplement un clic droit sur mon calque et je vais demander d'exporter le calque 3D. Et je vais demander en fait de l'OBJ. Et là, ça, vous allez pouvoir l'importer sans problème en fait dans Dimension pour aller encore plus loin dans un photomontage 2D, 3D hyper réaliste et revenir dans Photoshop par exemple. Okay. Donc voilà. Donc par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand je viens ici sur ce personnage-là, je vais venir zoomer un petit peu. Pour vous montrer quelque chose. Déjà, quand je suis ici sur mon personnage, ici, j'ai aussi des petits contrôles en dessous par rapport à ce personnage. Je vais pouvoir dire, par exemple, que je veux qu'il reste en place, comme on a vu tout à l'heure. Je vais pouvoir dire que le mouvement va être trimé, c'est-à-dire va être coupé en intro ou en fond. Je vais pouvoir dire que le pourcentage de air guitare, je ne sais pas, hein, je n'ai jamais essayé celui-ci, il va me régénérer en fait du paramétrique. Voilà. Vous voyez, donc là, les bras un petit peu plus, écartés, en fait, dans sa air guitare, etc. Et si on regarde bien à côté, ici, quelque chose qu'on n'a pas sur le portail Mixamo lui-même, eh bien, on va avoir un petit masque de la Commedia dell'arte, un petit dédicace à Rufus, du coup. Et en fait, on va avoir les expressions de visage, en fait. Donc, par exemple, si je veux faire... est-ce que je vais trouver rapidement la surprise ? On va prendre quelqu'un d'embarrassé ou displeased, embarrassé, voilà. En fait, vous allez pouvoir aller plus loin pour exagérer encore sur glace. Je suis pas sûr que ça se voit bien. Hein. Moi, ça ici. Peut-être en prendre un autre displeased ou sleepy, innocent, intense stare. Non, là, sur ce modèle-là, on voit pas bien, bien. Mais on va voir autre chose, c'est-à-dire que, par exemple, ici, je peux aussi la direction des yeux. La tête, est-ce que je veux que la tête tourne ? Soit plus levée ? Et vous voyez que finalement, pour un bonhomme au cédar, facile à mettre en pose, dans l'angle que vous voulez, etc.,
et bah, ça va être tout simplement assez génial en fait, de pouvoir travailler comme ça. Puis je vous rappelle aussi que bon, là, il manque la guitare, bon, parce que c'est du air guitar, mais vous pouvez très bien aussi, ici, dans les éléments, réimporter une guitare que vous avez trouvée ailleurs. Au passage, d'ailleurs, on peut s'amuser à créer une guitare un petit peu fake, vu que, en fait, moi, je reste ici hein, tant que le prochain invité ne vienne pas. Donc, le prochain invité va me jeter. Donc, tant que je vois ça, du coup, j'improvise et on va regarder, comment... allez, faire... J'essaye en live. Hein, si ça se trouve, je vais complètement foirer ma guitare, mais on va essayer. On va se faire une guitare. Ah, là, j'ai mon Photoshop qui a planté. Ça arrive. Hop là. Donc, on va le relancer. C'est pas très grave. Voilà. Ici. Ça arrive souvent, en plus, quand on a deux écrans connectés sur la carte graphique, ça arrive plus souvent que ce que ça ne m'arrive à la maison. Donc voilà. Donc ici, je redémarre mon Photoshop assez rapidement et on va regarder. Je ne le réintégrerai pas dans le personnage, mais je vais vous montrer comment on pourrait s'amuser à faire des objets basiques en fait dans Photoshop, vu qu'on était sur Photoshop et la 3D. Et surtout dans cette idée de faire de la référence. Peut-être on va pas chercher à faire un bel objet. Ce que je veux peut-être, c'est de le mettre dans la 3D pour pouvoir redessiner par-dessus ou m'en servir de référence dans un angle. Voilà, parce que il y a des fois on imagine mal la perspective ou des raccourcis en fait particuliers. Donc on va se mettre dans ce contexte-là, ici, de créer finalement un objet qui ressemble vaguement à une guitare rapidement. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait ici, je vais me créer un nouveau calque juste pour où je vais prendre carrément, voilà, par exemple la plume, ici, ou voire même on peut s'amuser aussi avec la nouvelle plume, plume de courbure en fait, qui peut être à un moment donné un meilleur choix pour ça. Excusez-moi, c'est que j'avais oublié que j'étais en path, mais ce qui va m'intéresser c'est une forme. Alors je sais pas ce qui se passe dans mon Photoshop là. Il a décidé de m'embêter. Donc je vais prendre la plume normale. Excusez-moi pour ça. Il y a des fois on ne sait pas ce qui se passe. Donc autant. Alors est-ce que c'est moi tout simplement Vous savez en fait quand on s'acharne on pense qu'il y a un bug. Et parfois on réalise que c'est soi. Et donc c'est ce que j'appelle des bugs utilisateurs. Donc là je suspecte que c'est un bug utilisateur. Donc je vais faire un petit reset. Voilà. En espérant que ça soit ça. Voilà, c'était ça. Donc c'était bien un bug utilisateur. Il devait y avoir un paramètre que je n'ai pas vu. Ok, donc si je fais ça, hop, on va faire ça, 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 voilà, juste pour vous montrer très rapidement. Et après, le nouvel invité vient d'arriver, donc je laisserai la place. Te sens pas... Non, je sais. Hein, voilà, c'était juste utilitaire. Hein, j'ai bien compris. Hein. Bouche-trou. C'est ça. Alors juste pour le rappel aussi, quand vous êtes en train de placer un point qui n'est pas bien placé, n'oubliez pas qu'avec la barre d'espace, c'est comme aussi quand vous faites un rectangle de sélection, barre d'espace vous permet de figer temporairement et de redéplacer ce point ou de retransformer la forme. Voilà, donc imaginons que je fasse vraiment très vaguement, elle n'est pas belle du tout ma guitare, mais très vaguement ici une guitare, très vaguement on va faire aussi... Est-ce que tu peux mettre le tracé plus épais parce que je pense oui. Que pour les gens qui regardent en petit, parce qu'on peut faire ça dans Photoshop, Oui. Ici, en fait, dans les réglages, on a la possibilité ici de demander à ce que le tracé soit plus large. Voilà. Et là, je vais juste annuler ici. Voilà, on la voit mieux. Quand okay. Et d'ailleurs, j'étais retourné... Normalement, j'étais sur Shape, donc je ne sais pas pourquoi il ne m'a... Bah si, je ne vois pas ma Shape. Tu vois, c'est bizarre. Hein ça, là, ouais. Et il a planté, à mon avis, j'ai un truc. Donc bref, en gros, ce qu'on va faire, je vais juste faire cette boule-là. On pourra de toute façon le modifier après. Décidément, alors là je vais enlever mon touch parce que là il est parti aux fraises, je suis désolé, ça, voilà, ça arrive, c'est le terme technique, hein, partir aux fraises, hein, bien entendu. Donc voilà, je reviens sur mon espace 3D ici, voilà, et ce que je vais faire, donc hop, ici, c'est que je vais demander en fait de faire une extrusion à partir, voilà, une 3D extrusion. Donc ici, je fais créer, voilà, juste le temps qu'il génère à partir de ce tracé. Non, bah il a décidé vraiment de m'embêter parce que là. Parce que là, il fait l'extrusion de tout le plan, t'as pas pris la shape du tout. Non, là, il y a un truc bizarre. Ouais. Mais en gros, vous avez retrouvé cette forme-là parce que de toute façon, là, maintenant, je vais céder ma place. Qui connaît rien en guitare, de toute façon. Voilà, de toute façon, ouais, c'est sûr. Et en fait, on va pouvoir donner une valeur. Une épaisseur. Avec V, on va pouvoir aussi faire de l'inflation ici. On va pouvoir aussi lui donner. Vous voyez ici, V vous fait défiler parmi toutes ces options ici. On va pouvoir lui dire est-ce que l'on veut un viso ou pas.
etc., etc. Et donc, du coup, on va faire un deuxième rectangle pour faire le manche de la guitare, et ensuite, on va pouvoir le fusionner avec le personnage qu'on avait vu, et ça nous donnera une référence de dessin, en fait, tout simplement. Donc voilà, bon, désolé pour le petit problème, la technique de fin, mais j'espère qu'au moins ça vous aura inspiré, donné envie. N'hésitez pas avec les tutos que tu les avais passés. Juste avant de clôturer, parce qu'il reste une ou deux questions, une ou deux petites choses, voilà, avant que je cède, je tire ma révérence. Et que tu tires ta révérence et que tu cèdes ta place à Gaëtan Wetzer et à Oulad Messoud. Je l'ai dans le bon sens. J'ai toutes non, les voyelles. Ah, d'accord, tu me corrigeras tout à l'heure. Ah, Oulad, je l'avais. J'ai pas dit dans le bon sens. Non. Ok, ok. Bon. Non, je t'assure, tu peux lui faire confiance, à mon avis. Ouais, tu sais comment tu sais comment ça. Ton PC fait combien de gigas de RAM? C'est quoi, c'est 16 hein? Ouais, ça doit être un 16. Ça doit être un 16 à l'époque. C'était le haut de gamme Mac de voilà, vous avez là, de l'époque, c'est-à-dire il y a un an et demi, un truc comme ça. Donc, Mixamo très gourmand, fait peut-être penser à faire mes Mixamo qui mange de la carte graphique, c'est possible que ça joue c'est un possible petit peu. Aussi, ouais. Tout à fait, ouais. Bon, bah, voilà. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais reprendre la main, on va reprendre ta place. Oui, d'accord. On va t'éjecter. En plus, tout ça, tranquille. Avec nos amis qui viennent, vous allez être servi. Vous allez pouvoir retrouver dans quelques minutes donc Gaëtan Wetzer. Ah, ou là, mais je l'avais. Gaëtan Wetzer et Aoulad, je vais me le mettre sous les yeux, j'ai pas le bon écran sous les yeux, qui vont venir nous parler de la Digital Painting School et surtout de son parcours autour du jeu vidéo, du jeu de plateau, pardon, autour du comics, etc. Donc ça va être super intéressant. Et puis on enchaînera par la suite avec Alexis Briclot qui vient de terminer sa conf. Je suis sûr qu'il est en train de parler à la moitié de l'assistance. C'est clair. Je suis pas sûr qu'il arrive tout de suite. Non, donc, mais encore une fois, si vous connaissez pas DPS, Digital Painting School, vraiment, ça vaut le coup. C'est une super communauté et vous allez apprendre un max de choses avec pas mal d'entraide. Et donc, vraiment, ça vaut le coup. Restez. Voilà. Bien, merci beaucoup Stéphane. Merci pour ce temps. Merci pour tous ces conseils. J'espère que vous avez trouvé l'astuce qui vous sauvera la vie. J'espère que vous avez découvert un outil que vous connaissiez pas encore, sans doute. J'espère aussi. Ouais, il me semble. Hein. Ouais. Et merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Restez là. Storytelling to a new level with enhanced motion graphics capabilities in the latest release of Creative Cloud. Create visualizations of data and trends in your video projects right inside the Premiere Pro timeline using data-driven motion graphics templates created in After Effects. Simply drag and drop spreadsheets to create infographics using motion graphics templates. Any updates to data are automatically updated in the infographic. Responsive Design Time is now available in After Effects, so you can create motion graphics that can adapt to changes in length while preserving the integrity of keyframes. And with Adobe Stock, you can find professionally designed, customizable motion graphics templates to use in Premiere Pro. Check out all this and more in our new release. Bring your video storytelling to a new level with enhanced motion graphics capabilities in the latest release of Creative Cloud.
Create visualizations of data and trends in your video projects right inside the Premiere Pro timeline using data-driven motion graphics templates created in After Effects. Simply drag and drop spreadsheets to create infographics using motion graphics templates. Any updates to data are automatically updated in the infographic. Responsive Design Time is now available in After Effects, so you can create motion graphics that can adapt to changes in length while preserving the integrity of keyframes. And with Adobe Stock, you can find professionally designed, customizable motion graphics templates to use in Premiere Pro. Check out all this and more in our new release. À nouveau, nous sommes de retour avec cette fois-ci non plus un mais deux invités. Deux invités qui sont avec nous donc pour cette petite session. Donc je reçois Gaëtan Valzer et Aoulad Messoud. Ouais. Ouais, super, yes. Tu l'as dit. Voilà, non mais c'est de l'entraînement, c'est de la lecture surtout. En fait, personne n'a besoin de savoir que je l'ai effectivement sous les yeux. Vous allez nous parler un petit peu de vous. On va pouvoir découvrir eh bien, les travaux d'Aoulad parce que tu n'es pas arrivé de nulle part. Non. Tu es arrivé à partir de la Digital Painting School. C'est ça. De Gaëtan. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, qui suivent la chaîne YouTube Adobe France, je vous ai mis un petit lien dans quelques instants Digital Painting School sur le chat. Donc vous allez pouvoir regarder un petit peu ça. Et puis vous irez voir aussi sur notre chaîne YouTube, j'ai reçu déjà Gaëtan. Et donc, Gaëtan, est-ce qu'on va le retrouver? Est-ce que le moteur de YouTube va nous le retrouver? Oui, on a fait une masterclass avec lui, avec Spartan. Pas confondre avec Sparte, c'est pas le même. Malheureusement, non. Quand j'étais petit, je me trompais entre les deux. Non, j'étais il n'y a pas très longtemps. Donc, on a fait une masterclass avec Gaëtan. Hop. Et Gaëtan, est-ce que tu nous fais un petit topo très rapide sur la Digital Painting School, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Pour faire très simple, c'est un projet déjà collaboratif. Donc, il faut comprendre que je n'ai pas été le seul à le créer. C'était vraiment une volonté de plusieurs centaines de membres au final. Et donc c'est un projet qui est né il y a à peu près 3 ans, donc bientôt les 3 ans d'ouverture du site. En fait, c'est une école en ligne et une communauté francophone sur le digital painting. Donc ça touche vraiment à tout ce qui est peinture numérique, illustration, concept art. Donc toutes ces choses-là avec vraiment une volonté d'axer tout ça sur avant tout le partage et l'apprentissage. Donc c'est vraiment le gros axe de cette communauté. Voilà, après, que dire de plus dans les grandes lignes? C'est principalement ça, donc on va y retrouver des cours, également beaucoup d'activités communautaires, donc des gros challenges qui sont des espèces de gros concours artistiques, on va dire, voilà, où tout le monde participe autour d'un thème. On essaye souvent d'ailleurs d'axer un côté collaboratif autour du projet. On va aussi avoir des exercices hebdomadaires, dont toutes les semaines on donne des exercices à faire. Il y a des galeries, il y a plein d'activités, bref, il y a plein de petites choses. Et donc voilà, l'objectif c'est de faire progresser les gens et de les maintenir motivés dans cette passion. Euh,
Alors justement, dis-moi un petit peu plus, motivé dans cette passion. J'ai vu aussi, enfin, on en avait déjà parlé auparavant quand je t'avais reçu, il y a des galeries pour pouvoir, hein, c'est un petit peu le art session des élèves, des gens du forum, vous échangez tous ensemble pour comprendre un peu comment les uns et les autres évoluent, pour voir, il y a des super illustrations au fur et à mesure. Alors je clique en mode complètement random, peut-être tomber sur des gens qui sont plus du tout là ou qui sont... Normalement c'est à jour, hein. Normalement, c'est à jour, ouais. Tout le monde est là. Voilà, donc du portrait, on va retrouver de la... C'est quoi? C'est de la fantasy sur le dessin. Ouais, la grosse illustration, ouais. Très, très cool d'ailleurs, de Nunui, ouais. Ouais. Hop, ici, des scènes de bataille complètement folles. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse dans ton école, et j'en avais déjà parlé... à l'époque, c'était de voir les progressions des élèves. Mmh. Parce que je trouve qu'il y a toujours ce côté chemin dans l'illustration, dans le dessin, dans le concept, où on peut se rendre compte que, bah, oui, avec, on parle souvent du talent, mais il y a aussi énormément de pratique. Exactement. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, enfin je trouve en tout cas qu'on en parle pas assez jusqu'ici. L'importance en fait du parcours, se dire que c'est un long chemin, un très long chemin, et c'est pour ça justement que je parlais de motivation, d'apprentissage, c'est parce que c'est long, c'est juste long, il faut réussir à tenir sur cette distance, rester motivé, c'est vraiment un petit peu comme des montagnes russes finalement. On va être très motivé, puis on va ensuite avoir des moments où ça va être beaucoup plus dur. On va avoir des moments de doute, d'hésitation, etc. Et c'est vrai que ce type justement de petites initiatives, un petit peu comme cette fameuse galerie des progressions d'élèves, ça permet en fait simplement de se rappeler que tout le monde a commencé du même endroit, que tout le monde a des moments d'hésitation, même de stagnation, qu'il y a des moments où on ne progresse pas. Et puis, il faut y croire, il faut passer au-delà de ces petites difficultés. Et puis, on y arrive. Quand on y arrive, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et c'est vrai que c'est... Un des gros axes de digitalpainting.school, c'est vraiment de rappeler ça, quoi. C'est de faire rentrer dans le crâne des gens que peu importe le niveau actuel, ce qui compte, c'est là où on veut aller, et surtout prendre le bon chemin, rester motivé. C'est super. Alors, j'ai vu que dans le public, il y a des gens qui te connaissaient, il y a des gens qui ont réclamé Leonardus. Aujourd'hui, non, je ne l'ai pas ramené. T'as pas ramené Leonardus ? On a réussi à avoir Leonard Cracus hier soir. Ouais, c'est déjà un sacré spécimen. C'est un beau spécimen, mais il parle beaucoup plus que l'autre. Ah oui, celui-là est bavard, celui-là, oui. Tout à fait, je vois que Romain est lui aussi sur la Digital Painting School, donc bienvenue. Et Exemple nous dit que c'est sûr que la motivation en prend un coup à chaque masterclass. Je sais pas si c'est en prendre un coup la bonne expression, je dirais plutôt qu'il y a vraiment un boost sur la motivation. Pour moi c'est un gros boost, ouais, surtout. C'est en même temps une claque, c'est sûr, parce que on voit des talents qui sont absolument monstrueux, des artistes incroyables, des process aussi, des technologies, des techniques qui sont impressionnantes, mais derrière, après la claque, c'est vrai que c'est le gros coup de boost, ça donne envie de s'y remettre à fond, quoi. Tout à fait. Et puis alors ce que j'ai découvert au fur et à mesure, moi je connaissais effectivement les grands challenges. On a reçu Maxime Schmax qui est venu présenter son travail il y a 2 jours, et notamment le résultat du challenge sur les histoires de son enfance. Donc il nous a représenté son Astérix et Obélix, et du coup on a parlé justement de ça, mais aussi des différents challenges qui sont ils sont rangés dans les exercices hebdomadaires ou dans les challenges? Challenge, dans le menu en haut à gauche, tu as challenge. Ouais. Voilà, juste après les cours. Donc là, tu peux tous les retrouver listés dans l'ordre. Et du coup, le challenge auquel a participé Aoulad, c'était pour le coup dans les... Ça, c'était un exercice hebdomadaire. C'est là que je voulais aller. Parce que du coup, la différence, pour apporter la précision, c'est que les challenges sont vraiment des gros challenges finalement, qui durent en fait 2 mois. D'accord, deux mois de dessin, ou voilà. Tu penses que les gens s'y collent la veille du rendu, ou... Il y en a qui s'y collent la veille du rendu. Et ça se voit. Disons qu'il y a toujours un pic à la fin, quoi. Et du coup, oui, à côté de ça, ce que je disais, c'est qu'on a les exercices hebdomadaires qui sont vraiment plus des petits exercices pour s'entraîner avec plusieurs autres membres sur un thème commun, et avec un petit peu moins de pression et moins de choses à gagner, évidemment. Tout à fait. Et c'est ici que nous avons rencontré Aoulad. C'est ça. C'est ça. J'ai participé à un des exercices qui était du speed painting. Il y avait 3 sujets, donc on pouvait en prendre un ou mixer les 3. Ouais. Et on avait 1 heure pour faire l'exercice et le balancer sur le net. Une heure ? Est-ce que c'est long ou est-ce que c'est court, 1 heure ? C'est court.
C'est court une heure, c'est très tendu. Quand on ne sait pas où on va, c'est court. Ouais. Donc tu découvres le challenge, tu lis, tu dis je démarre. Et donc tu on se fait un schéma dans sa tête, on se dit tiens, je vais aller vers là, puis on se lance. Et parfois, on se retrouve à se chercher des trucs, ou la perspective, ou les couleurs, etc. Et alors là, on perd du temps. Et on voit le chrono qui défile, et on dit ah, je sais pas quoi faire, est-ce que je prends le rouge, est-ce que je prends le vert. Voilà, c'est un peu stressant. C'est un petit peu stressant, mais par contre, ça fait très souvent des belles images, ça fait très souvent des bons échanges, parce que j'ai vu que l'un des principes sur les challenges, sur les exercices en tout cas, alors le dernier c'était lequel ? C'était le speed painting par exemple ? C'était celui-là, ouais. Celui-là. Ouais. Sur le speed painting, en fait, tu donnes le thème, et derrière, les artistes, non seulement postent leur challenge, mais commente les liens des autres. C'est obligatoire de commenter les liens des autres ? Alors c'est obligatoire, en tout cas on essaie de rendre ça obligatoire. Et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on a ajouté il n'y a pas longtemps sur les exercices hebdomadaires, mais c'est vrai que ça va un petit peu dans la continuité de la philosophie de la communauté et de l'école, qui est justement l'entraide, prendre le temps de critiquer les autres, parce que voilà, faut s'y donner un petit peu de son temps pour recevoir soi-même des critiques, etc. Donc oui, on essaye de mettre en place des petites initiatives comme ça. Et du coup, dessus, sur ce challenge-là, il y avait une petite incentive en plus. Il y avait l'idée de faire venir des illustrateurs parmi les participants. C'est comme ça que tu t'es lancé. Bon, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup Gaëtan pour ce petit rappel sur la communauté. C'est moi qui te remercie. Écoute, c'est un bon échange. Et je vais rester avec Aoulad et puis on va se faire une petite découverte. Merci. Très bien. À très bientôt. Merci à toi. Hop. Oula. Donc Aoulad, moi je t'ai découvert donc sur ce challenge. Je t'ai découvert via la communauté, je t'ai découvert via ces exercices. Et quand je suis allé regarder le portfolio, je me suis dit bon, il y a pas énormément d'images. C'est étonnant. Enfin, c'est comme sur beaucoup de portfolios des jeunes artistes qui se lancent. Et pourtant, tes images sont loin d'être des images de débutants. Oui. Il y avait quand même pas mal de travail dessus. Là, on voit le Hulk. Il y avait pas mal de petits travail sur, enfin, de petits travail, pardon. pas mal de boulot, pas mal de rendu. Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant parce que du coup, tu es venu sur la Digital Painting School, mais l'illustration que je vois là, c'est pas du tout du digital. Non, c'est du tradi. C'est du tradi. Donc, j'ai un gros bagage en tradi. Parce que j'ai fait l'école d'art déjà. Ouais. Et moi, ce que je me destinais, comme tu peux le voir ici avec Hulk, c'est de faire du comics. D'accord. De la BD, mais voilà, orienté comics. Je veux dire, ici en Europe, ça n'a pas du tout marché. En Europe, ça n'a pas marché, zut. Le comics ne prend pas. Pourtant, tout à l'heure, on va recevoir Alexis Briclot qui nous en dira un petit peu plus sur le comics en Europe. Et donc. Vaut mieux aller aux États-Unis ou s'installer au Canada pour faire du comics. Et donc, c'est une piste qui a pas fonctionné. Ouais. J'ai fait d'autres choses entre-temps. Et je me suis retrouvé sur Digital pour apprendre justement le Photoshop. D'accord. Pour apprendre la couleur, les calques, etc. Parce qu'effectivement, quand on visite ton site, on se rend compte qu'il n'y a pas juste les 6 images de Digital Painting School, ouais, mais qu'il y a tout ton passé avec toi. Voilà. Et qui n'est pas du tout... c'est pas genre, zut, il y a ton passé qui te suit. Et sur lequel on peut retrouver, par exemple, tous tes travaux d'esquisse. Est-ce que ce sont des choses que tu faisais déjà à l'époque, dans ta première vie d'illustrateur comics ? Ouais. Alors dis-moi un peu plus pendant que je... Voilà, par exemple ça c'était pour un jeu de rôle, il fallait illustrer des caillards, des guerriers, des post-apocalyptiques. J'en ai fait quelques-uns, des mercenaires et tout, j'en ai posté un seul. Voilà, ça c'est des études de personnages, de poses.
Tout ça est au crayon. Tout ça est au crayon, ouais. Vraiment le travail classique. C'est, d'ailleurs, oui, tu me disais, ta formation, c'était les beaux-arts. C'est ça. Ouais, donc vraiment l'étude de dessin classique, les formes, dessin, les compositions, l'anatomie. Architecture, tout ça. Quoi. Et donc tout ça, c'est ce que tu avais fait dans ta précédente vie. Mm-hmm. Et de là, en fait, toi, tu es resté complètement lié à l'univers du jeu. C'est ça. Alors, en fait, maintenant, je travaille comme vendeur de jeux de société, enfin à mi-temps. Et c'est un ami qui a décidé de vendre des jeux de société, mais avant, il vendait des comics. D'accord. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Ah. Rappelle-moi le nom de ce... Donc, c'est Tanguy Gréban. Mais la boîte de... Ah, c'est à Case Départ. Case Départ, c'est ça. Je travaille à Case Départ. Case Départ, en Belgique. En Belgique, à Louvain-la-Neuve. Mm-hmm. Et donc, avant d'ouvrir Case Départ, voilà, Tanguy avait une boutique de comics où on se rencontrait, je pouvais acheter mes comics préférés et tout comme, ça. Comme tous les passionnés. Voilà. Et puis à un moment, voilà, ça plus été, le magasin n'a plus été, et il a voulu ouvrir un magasin de jeux de société. Mm-hmm. Et à ce moment-là, il m'a contacté pour faire des démonstrations. On s'est un peu lancé dans l'enjeu de figurines, etc. Mm-hmm. On a fait des soirées jeux, etc. Donc ça marchait super bien. Et c'est un univers qui m'a beaucoup plu. Ouais. Il y a beaucoup d'illustrations sur les boîtes, sur les cartes, sur les plateaux. Et à un moment, je me suis dit, tiens, moi aussi, je peux le faire. Mm-hmm. Donc je me suis un peu lancé dans le jeu de société aussi. Donc du coup, quand tu dis te lancer dans le jeu de société, c'est réussir à retrouver ton travail en amont, réussir à fabriquer des personnages, réussir c'est à trouver des ambiances. Réussir à faire des ambiances, raconter une histoire sur juste une carte. Par exemple, là, c'est des cartes action. Donc il faut que ça raconte une petite histoire, que ça raconte l'objet de quoi il s'agit, sans devoir écrire directement sur la carte de quoi il s'agit. Mm-hmm. Voilà, tout des petites... De la mise en forme, réussir à comprendre, réussir à ordonner en fait tous les thèmes, que ce soit en termes d'ambiance, en termes de personnages. Ouais. Je vois que ça discute. On a aussi donc des gens de DPS. Les interviews régulières, notamment d'élèves, aident vachement pour la motive. Donc c'est plutôt bien. Ouais. Et ATMBX nous dit, ouais, dans mon domaine, on utilise plutôt le terme apprenti que celui d'élève. Après, c'est juste une question de vocabulaire, mais ça, c'est pas bien grave. Un autre point, c'est que du coup, tu as eu des jeux qui ont été publiés. Voilà. Donc tu m'avais donné le nom de Sushi. Ça, c'était mon premier jeu, Dice. Sushi Dice. C'est ça, hein, chez... ouais, qui est sorti il y a 2 ans. Chez Sit Down. Ok, et Sushi Dice, quand on va dessus, donc c'était... Hop. Et ça n'a rien à voir avec le comics. Voilà, tu as complètement changé de style, voilà. Tu as réussi à t'adapter. C'est-à-dire que tu es passé de « je fais du comics » à « j'illustre du jeu ». J'illustre un jeu pour le jeu, pour ce que c'est. Et donc, c'est un jeu à partir de 6 ans, donc ça doit être familial. Ouais. Et donc, le dessin ne doit pas être agressif. Donc, c'est, voilà, c'est plein, c'est tout coloré. Les petits tout personnages. Mignon, voilà. Là, on est vraiment sur des cartes hyper mignonnes. Il y avait des jetons qui allaient avec, il y avait des figurines qui étaient faites sur celui-là. Il y a des dés. Et même les dés sont faits avec les petits personnages et colorés. Ils sont tous colorés, bleus. Pour que les mômes puissent s'identifier, voilà. Puissent retrouver tout ça. Et tu as un deuxième jeu qui est paru. Qui vient de paraître en février, qui est Bad Bones. Bad Bones, Sit Down et... Toujours chez Sit Down. Tout à fait, et je dois retrouver Bad Bones que j'avais mis. Où es-tu, Bad Bones? Sit down. Check. Bad Bones. C'est ma faute. Est-ce qu'il va réussir à le retrouver? Pas là-dedans. On va le rechercher dans les jeux. Ça va aller beaucoup plus vite. Vu qu'il est dans. Il est tout en haut de la liste. Je suis pas trop, je suis pas hyper malin aujourd'hui. Plus le temps passe dans ces masterclass, et moins je suis malin. Donc Bad Bones, voilà. Ça c'est un jeu que toi aussi tu as intégralement illustré. Non, là c'est pas intégralement, c'était en équipe. Ouais. Donc là la couverture elle est pas de moi. D'accord. Mais presque tout l'intérieur est de moi. Donc il y a le plateau, pas celui-là, voilà. Par exemple, j'ai designé la figurine ici. D'accord, donc tu as fait du design, ton cara design a été modelé en 3D derrière. Donc moi on m'a demandé un dessin, on m'a demandé un gars costaud avec une épée, un petit bouclier. Donc j'ai fait celui-là et c'est sorti en 3D.
c'est mignon. Toi aussi, là, t'étais sur les jetons. Oui, les jetons, le plateau. On voit le plateau de près. Voilà. Le plateau, les pièges, le petit dragon, là. Ah ouais, ouais. Puis tu m'avais parlé des cartes, effectivement, qui sont des cartes recto-verso. Recto-verso. Donc, d'un côté, c'est le bâtiment est construit. Mm-hmm. Mais dès qu'il se fait attaquer par un squelette, on le retourne et il est à moitié cassé. Il est en mode détruit. Voilà. Et s'il y a un deuxième squelette qui arrive, il est complètement retiré du jeu. Voilà, on l'a perdu, on ne peut plus l'utiliser. Mm-hmm. Ouais, donc ça fait un paquet d'illustrations. Et alors, vu que tu avais commencé par Sushi Dice, tu as fait celui-là ensuite, c'est une expérience qui te plaît, qui te motive pour la suite, le jeu? Ça me motive énormément. Le truc du jeu, c'est que quand il y a beaucoup de matériel, il faut faire beaucoup d'efforts, il ne faut pas se laisser aller. Quand on voit par exemple 60, 70, 80 cartes à illustrer, il faut avoir une gestion du temps, une gestion des cartes. Pas se dire je vais passer une journée ou deux jours sur une carte. Il faut savoir gérer le temps. Carrément. Et du coup, c'est vraiment la gestion du temps, je pense que c'est le plus gros. C'est vraiment le nerf de la guerre sur, tout ce qui est dessin, tout ce qui est... Surtout que les éditeurs, ils ont déjà des dates de parution. Comme on a des gros festivals comme Cannes, du jeu de Cannes. Il y a le festival à Essen en octobre. Donc en général, les éditeurs préfèrent sortir les jeux pendant cette période-là. Autour des festivals. Et donc quand on nous demande en avril de faire un truc pour que ça sorte en octobre, il faut un peu se dépêcher. Et du coup, c'est là par exemple, on voit qu'il y avait le David Flies qui a conçu le jeu. C'est lui. Vous avez travaillé comment avec David sur ça? Alors, c'est comme dans tous les jeux, l'auteur travaille avec l'éditeur. Ouais. C'est l'éditeur qui va développer le jeu, etc. Qui développe les mécaniques, qui réfléchit à ce qui est possible de faire en termes de jetons, de cartes. Et alors, le budget, etc. Puis après. Il contacte des illustrateurs et il voit ce qui est l'illustrateur le plus adapté au style de jeu. Au style de jeu, à la cible peut-être qu'ils visent, parce que je suppose qu'ils doivent tester ça. Il y a Yvan qui nous dit, mais comment as-tu fait pour trouver ces contrats? Est-ce que ce sont les créateurs qui viennent te voir? Non, c'est les éditeurs qui viennent te voir. Ou alors, il faut postuler chez les éditeurs en allant au Festival d'Essen ou au Festival de Cannes, où il y a d'autres festivals à travers la France. Il y en a à Lille en avril, sur Bruxelles aussi. Il y en a sur Toulon, à Lyon, je crois, il y en a. Les éditeurs sont toujours prêts à regarder les books et à consulter. Parce que les auteurs de jeux, il y en a toutes sortes, de tous les genres. Ils ont sous le bras toutes sortes de projets et s'ils trouvent l'illustrateur adapté, il y a forcément des échanges, des discussions justement sur comment adapter au mieux. Et puis, l'éditeur a l'avantage, enfin, on le voit pour Sit Down qui a quand même quelques jeux dans son escarcelle, à l'avantage de connaître justement un petit peu tout ça. Oui, ils ont un carnet d'adresses et des books de toutes sortes d'artistes, et donc voilà, ils piochent là-dedans par rapport aux jeux qu'ils veulent développer. Tout à fait. Et du coup, Sit Down, ils sont situés en Belgique ils sont situés en Belgique, à Namur. D'accord. Donc ça va, ce sont des voisins pour toi. À une heure de chez moi. Donc c'est presque facile. Voilà. Est-ce que je peux tenter de te faire dessiner? Toi, tu utilises Photoshop au quotidien de toute façon? Oui, maintenant je n'utilise que ça. Bien. On va essayer de réveiller ton ordi tranquille. Je ne sais pas s'il est motivé. Je ne sais pas s'il a apprécié d'être branché, débranché. Est-ce que ce câble est toujours branché? Oui. Est-ce que celui-ci est toujours branché? Oui. Pourquoi il ne se réveille pas? Ça, je ne sais pas encore. Le clavier marche ou pas? Ouais. Le clavier marche. Si c'est bon. L'ordinateur est en train de se réveiller. Je vois Alexandre qui a posté le site d'Aoulad. Merci beaucoup. Merci. Et là, on va lui mettre son petit mot de passe. Check. Voilà, parce que si on ne se sert pas pendant un certain temps des machines, après elles se vexent et elles disparaissent. Check. On va pouvoir passer sur ton écran. Et du coup, est-ce que tu as un personnage en ce moment que tu aimes bien? Est-ce que tu as un... Alors, en ce moment, je suis en train de... J'ai un trip de nains. Je fais des nains.
Donc, le mois dernier, je faisais des elfes. Mmh. Et en ce moment, je suis en train de faire des nains. Donc, je vais attaquer... je vais faire une petite compo avec des nains. Je travaille toujours avec une line au départ. Mmh. Puis après, je viens mettre mes valeurs de gris. Et là-dessus, je mets mes couleurs. Et tu travailles toujours... Là, on voit que tu as déjà ton arrière-plan, des calques, etc. Tu travailles comment sur ces calques? T'es plutôt du genre à avoir des tonnes de calques ou plutôt du genre à écraser au maximum? Je travaille souvent avec beaucoup, beaucoup de calques. Mmh. Puis il arrive un moment où je suis obligé de mélanger les couleurs. Ouais. Donc là, j'écrase. Mmh, mmh. Mais ça arrive vers la fin. Alors, donc, comment je travaille? Je vais construire mes personnages. Si j'arrive à voir, je vais faire plus petit. Forme. Voilà, ça c'est plus petit. Mmh. Donc... Alors pour ceux qui suivent les masterclass régulièrement, vous savez que la grande blague et la tradition ici, c'est de faire peur à nos auteurs en les mettant sur une machine qu'ils ne connaissent pas forcément, en essayant pour les gauchers de leur mettre une tablette de droitier, pour les francophones leur mettre un Photoshop en anglais et un clavier QWERTY, et pour les gens qui sont sur le Mac, alors ils les mettent sur Windows juste pour voir, pour que ce soit un petit peu plus sympa. Fasilio nous dit la question venant du tradi, la transition vers le numérique n'a pas été trop compliquée. Pas du tout, mais vraiment pas. C'est juste une question de couleur. En tradi, on travaille. Comment on appelle ça? Pose-toi dans un petit canapé. On a Alexis qui vient juste d'arriver. Qui arrive juste. Tu peux poser tes affaires et tu nous retrouves dans 5-10 minutes, le temps de faire un premier rough du... C'est parfait, c'était le moment de respirer, de répondre aux questions. À tout de suite. Donc on a Alexis qui est pas très loin, qui est sorti de sa masterclass. Vous avez peut-être entendu les applaudissements de l'autre côté au moment de la fin de la session. Alors pardon, du coup, je t'ai coupé. Ouais. Donc, ce qui change, c'est la lumière, puisqu'on travaille sur écran. Ouais. Et donc, les noirs, les blancs ne réagissent pas de la même façon. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ce qui me pose le plus gros problème. Mmh. Quand on travaille en tradi, c'est du... Comment on appelle ça? C'est du soustractif. Ouais. Synthèse soustractive de la lumière, c'est là où tu travailles avec du pigment et du... Est-ce que c'est là que tu voulais aller ou pas? Oui, c'est ça. Et là, on va rajouter de la lumière plutôt que d'en enlever, peut-être. C'est ça. Donc ici, par exemple, quand je fais mes noirs et blancs, ça marche super bien. Mais dès que je rajoute de la couleur, les gris deviennent beaucoup plus foncés. Et donc, il faut vraiment corriger ça, ce qui n'arrive pas avec le tradi, où quand je rajoute de la couleur à du noir, ça vient l'éclaircir plus que le foncé. Et du coup, ouais, ça permet vraiment de voilà, tu fais tes sketchs maintenant principalement sur tablette ou tu as encore beaucoup de... Non, je fais beaucoup à la main. Mmh. Je fais beaucoup à la main parce que j'ai une meilleure souplesse à la main sur du papier que sur écran. Puis après, le papier, il accroche aussi. Ce que j'aime beaucoup, ça gratte. Ce que ne fait pas une tablette... Alors après, j'ai vu passer sur certains sites des surfaces au-dessus des tablettes, justement pour les gens à qui ça manquait, ce côté traditionnel, hein, pour changer justement de l'aspect plastique ou vert. Ouais. Mais la dernière tablette Mac, Apple, a une surface, un verre qui gratte comme ça, c'est assez agréable. Je l'ai testé. Et alors, je fais l'assaut. Non, descends un petit peu.
Alors, je vois une, ouais, je vois une petite question de Romain aussi qui nous demande quelle école d'art a été faite. Quelle école d'art tu as fait pendant pour... Alors, moi, j'ai fait Saint-Luc. Pas celle de Tournai, mais celle de Bruxelles. D'accord, ouais. Très, très bonne école. Ils nous font beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Enfin, moi, à mon époque. C'était 20 dessins par jour. 20 dessins par jour. Donc 20 dessins finalisés ou 20 sketchs? Non, non. Faut 20 dessins où on comprenait ce que ça voulait dire, quoi. Pas des griffonnages... Et non, c'est vraiment, il fallait remettre fin de semaine des bons dessins finis et on devait avoir une bonne quantité. Et ça fait travailler parce que plus on dessine, plus on retient de choses et plus la main s'exerce. Et après, ça devient mécanique. Carrément, tu commences à connaître les volumes, connaître les formes, connaître toutes tes lignes de force sur tes personnages. Et là, comme tu nous disais, pendant un mois, tu t'es fait des elfes. Là, tu es dans une phase nain. Oui. Tu es en train de nous préparer toutes les différentes races d'un univers fantasy. Non, c'est surtout pour les vêtements, les costumes, pour apprendre l'anatomie un petit peu, parce que j'ai aussi fait un peu de dinosaures. J'essaie de les intégrer à un environnement. Donc, les elfes, je les ai mis dans de la nature. Ici, je suis en train de les mettre dans des grottes. D'accord. Voilà, ainsi de suite. C'est vraiment pour m'exercer. Il me fallait un thème et j'ai attaqué ce thème-là, quoi. D'accord. Ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. Ouais, c'est chouette d'avoir vraiment... Alors, est-ce que tu vas nous faire 7 nains ou 2? C'est bien 2. Ouais, 2. On n'est pas en mode Blanche-Neige. Je suis très entouré de princesses à la maison et donc je fais attention à la quantité de nains, pas se tromper sur les prénoms de chacun. Tout. Donc là, je fais mon croquis et je vais maintenant passer sur le calque d'en dessous pour venir mettre mes valeurs de gris et je vais essayer de trouver un bed brush rond. Je me demande si le tout premier qui est là-haut en attente est pas... Celui-là. Ouais. On va essayer de voir à quoi il ressemble. J'ai pas de texture. Alors on va mettre un peu de texture. Voilà. Avec ça, ça peut le faire. Mais... Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, c'est pas grave. Voilà. Et je vais chercher mes valeurs de gris que j'applique. Je vais essayer de diminuer. Ouais, quand il n'y a pas la molette, c'est... J'utilise énormément la molette. Je mets tous mes raccourcis sur ma tablette. Ah. Comme ça, je n'ai pas besoin d'utiliser le clavier. Ouais, c'est jamais simple de se retrouver sur la machine des autres. Hein. Rassure-toi, c'est pas toi, c'est notre setup qui fait ça. Et c'est le setup un peu impro. C'est-à-dire on profite des gens qui sont de passage, qui sont pas très loin. Je sais que vous étiez juste avant dans la session d'Alexis Briclot en train de regarder ça. Je pense que lui aussi a dû avoir un petit peu de temps pour monter. Mais c'était plus des slides sur le contenu. Mais je leur poserai la question tout à l'heure. Ok. Voilà. Hop. Pipette. Il est où? Ok. Et donc quand j'ai mes valeurs, je viens mettre un calque. Que je mets en lumière tamisée, densité, il est ici. Et je prends des gris clairs. Ah oui, il n'a pas de touch, donc c'est zoom ici. On va prendre là. On peut remettre le touch. Hein. Tout à l'heure, il était un peu fâché avec l'ordi de Stéphane, mais avec celui-là, ça peut aller. Hop. Et je vais prendre. On est à combien? On est à 100%, c'est pas bon. Ouais, c'est bon.
je vais venir éclairer ou alors foncer, parce que j'aime bien faire les deux en même temps. Je sais pas si on arrive à avoir un petit plan des mains qui dessinent. Je sais pas s'il est cadré celui-ci. Attends. Peut-être. On va avoir que le clavier dans un coin. On va mettre en dynamique. Hop. Tout est venu. Parfait. Ce cadrage, merci Richard. Voilà. Ouais, il y a vraiment toute une. Ouais. Toute trop, une petite trop recherche. Noir, trop noir. Voilà, je vais poser juste mes ombres pour avoir quelque chose. Hop, ici, ici. Comme ça là. Je vais juste faire le premier, le deuxième, on s'en fiche. X, ici. C'est pas assez blanc. Juste prendre. Il faudrait un rond, celui-là. Un rond bien rond, un rond de base. Il fait n'importe quoi celui-là. Et le grand défi de retrouver ses propres brushes. Ouais. Tiens, je vois Alexis qui nous rejoint. Ça y est, alors cette masterclass, c'était bien. Cette masterclass, Alexis. C'était plutôt cool. Donc on s'est mis en direct. Viens nous rejoindre. On va te faire une petite place parmi nous pendant que Eulade est en train de dessiner. Je sais pas si tu vas être dans le cadre, je pense pas pour l'instant. Tiens, je crois qu'il faut que tu ailles. Si je regarde le micro, faut que tu sois là. Un retour là en fait. Là ouais, regarde, on a un retour ici, on a un retour dans 30 secondes là. Mais tu vois, hop, t'es dans le petit coin là-bas en bas à droite. du coup, je fais des transitions, on profite. On est en train d'échanger avec Aoulad qui fait partie de la Digital Painting School de Gaëtan. Je ne sais pas si vous êtes déjà croisé à Gaëtan. Non. Pas encore. Alexis, toi, tu es un ancien du comics. Enfin, un ancien. On ne dit pas encore un vétéran. Ouais, mais bon, le temps passe. Le temps passe quand même. On change. Et tu étais sur scène. Qu'est-ce que tu donnais comme session sur scène? Eh bien, j'ai parlé pendant 45 minutes de mon travail en tant que concept artiste et puis spécifiquement en fait ce que je fais pour Marvel Studios avec l'équipe clé là de Burbank sur tous les films. Donc il y avait Thor Ragnarok, Avengers Endgame, Avengers Infinity avant, j'oublie Ant-Man et la Guêpe et Captain Marvel. Ah oui, donc ça fait quand même un beau paquet de films. Hop. À quel endroit je retrouve ça de chez toi? Plutôt ton Tumblr, plutôt ton Facebook ou rien du tout, parce qu'il n'y a rien du tout de Il y a quelques montrables. Trucs, si, j'ai dû commencer à poster sur ArtStation. Ah bah oui, je suis bête. Sur Instagram aussi. Alexis, très bien. Et on va voir si on arrive à partager. Là, tu partages ton écran? Là, je partage mon écran. Ouais. Comme ça, comme on est sur du Instagram, sur du ArtStation, je sais que c'est des choses où tu es sûr de pouvoir en parler parce que tu les as déjà postées. Ouais, bien sûr. Alors, je sais pas si on te voit dans le cadrage. Tiens, rapproche-toi, viens avec moi. Hop. Ouais, c'est pas mal là. On commence à avoir quelque chose. Alors, j'aurais dû mettre un banc. Mais je vois pas où est-ce que tu te vois. Je nous vois là dans le petit écran, mais tu es juste dans le coin de table. Tu vois la main là? Ah mais oui, voilà, c'était caché, pardon. C'est, c'est pour ça que je ne voyais pas le coin de table. Tiens, rapproche-toi, okay, en fait. Voilà. Je pense qu'il faut tu vois le nez de... Hop. Ouais. Non, c'était cool, je suis bien content d'avoir fait ça. Ce que j'avais répété ce matin, hier, en anglais et tout. Et l'anglais, c'est moins simple que le, bah que oui, le français. Il y a des blancs, il y a des choses à prouver. Chez moi, puis là, devant les gens... c'était super agréable. Là, j'ai mis un gros défi à Oulad, c'est que je le fais dessiner des nains. Ouais. Alors, c'est pas... Alors qui n'est pas du tout habitué à dessiner des nains? Si, il était dans sa période elfe le mois dernier, c'est ouais. ça et nain, ce mois-ci. C'est juste de trouver un... Je l'ai fait venir sans broche. Sans broche. Je l'ai fait venir sans... je l'ai fait venir sur un Mac plutôt que sur un PC. Je l'ai fait venir... Voilà, la dure. Tu vois, non, mais c'est la... Il n'y a rien qui fonctionne. C'est le grand défi du moment. Ah, mais voilà, t'as réussi à nous avoir tous les trois, Richard. Merci beaucoup. Comme ça, regarde, on te voit, t'es arrivé dans l'autre coin. Ouais, je vois. C'est mieux. Et donc, ouais, Alexis, toi, donc, ton dernier boulot, c'est sur Captain Marvel, par exemple.
Qui vient de sortir, enfin, dernier boulot public. Dernier boulot public, effectivement, mais j'ai travaillé également sur Endgame, Avengers Endgame. Alors attends, il est où celui-là? Et puis sur bah, Captain Marvel, tu dois pas avoir grand-chose. Là, bah si, t'as deux postes, celui-ci. J'ai quand même deux postes, on est en... C'est un des premiers, ouais. Ça, c'est un de mes premiers essais avec Brie Larson, où j'ai travaillé là juste sur un look potentiel de pilote... pilote Kree, la civilisation Kree, la pilote d'élite. Mm-hmm. Donc bah voilà, oui, c'est pas le costume réel de Captain Marvel, c'est ce à quoi elle aurait pu ressembler sur sa planète. Et là, comme elle a aussi des racines humaines, bah, j'ai vraiment travaillé sur aussi un look traditionnel. C'est la veste de pilote avec le large col. D'accord. En essayant de faire un truc un peu plus design pour le connoter un petit peu plus science-fiction et extraterrestre. Ça, c'est le même personnage qu'Harold Captain Marvel, mais pour les comics, donc c'est mm-hmm. une coupe de comics. Ouais. Et c'est un comics qui a été publié, du coup. C'est... Ouais, c'est ouais. Comics Marvel, c'est une couve alternative. D'accord. Ouais, tu disais que j'étais c'est Gardien de la Galaxie, pareil, couvre du comics. Tu disais que j'étais vétéran du comics, mais en fait, j'ai commencé en faisant des illustrations pour des jeux de rôle, tous les petits, enfin, des petits jeux de rôle français. Mm-hmm. Et ensuite, bah, ce que j'expliquais un petit peu à ma masterclass, c'est que j'ai toujours, en fait, alterné, pas seulement les plaisirs, mais les activités, mmh. les styles aussi un petit peu, ouais. Enfin, c'est une, comme je disais, c'est une partie de curiosité personnelle en fait, envie de découvrir des choses, de me mettre en danger, d'apprendre. Aussi, j'ai un background en fait scolaire qui n'était pas du tout le dessin, mais du design graphique et communication visuelle. Et d'accord. l'idée, c'était, y a un artiste que j'adore en fait, donc c'est pas un concept artiste, c'est un designer graphique qui s'appelle Stefan Zangmeister. Et son mojo, c'est style equal fart. Le style, c'est du paix. Et en gros, l'idée, c'est quand tu as quelque chose à exprimer, c'est trouver les codes visuels et la façon de le faire et pas de jongler avec juste un savoir-faire dessin. Mm-hmm. Moi, je ne sais pas tout à fait ce que j'applique puisque ça reste toujours dessin-peinture. Dessin-peinture, ouais, très clairement. Mais j'essaye quand même de réfléchir quand j'ai un projet. Donc, en plus, ce n'est pas une approche qui est forcément très client-friendly. C'est-à-dire qu'en fait, des clients, la plupart du temps, ils vont venir vers toi par rapport ouais. à un style, des choses qu'ils ont vues, et ils n'ont pas envie de te dire, bah tiens, Coco, régale-toi, et puis développe un style en fonction de la commande. Et donc, du coup, oui, c'est pas... J'ai pas commencé dans le comics, j'en ai fait après, j'ai fait la BD franco-belge, de l'illustration, du concept art. J'ai toujours un petit peu alterné ça. Et comme je le disais, c'était aussi en grande partie dû à... après mes études, en fait. Donc, j'étais pas du tout dans le dessin ou le design. C'était une sorte de... peur de pas avoir de travail et du coup l'idée c'était d'alterner toutes mes non pas d'alterner mais de développer toutes mes capacités pour être capable de prendre ben si un projet le premier job qui vient voilà exactement prends, ouais. Ouais et pas me spécialiser donc ouais je pense qu'il y a une partie de ça qui était mue par ouais la peur de pas trouver de travail Et pour l'instant enfin jusqu'ici ça a l'air d'avoir plutôt bien marché bah écoute ouais je pense que là sur la quand je vois aussi ouais tout ce que j'ai fait après, c'est une sorte de continuité qui s'est installée avec le temps. Mmh. Et c'est une énergie, en fait. Je sais plus moment, c'était le terme que j'utilisais, c'était dynamique exponentielle. C'est toujours pareil. Tu commences à mettre des choses en place, elles payent, en fait, plus tard. Mais il faut continuer sur la lignée. Faut que les gens arrivent à t'identifier aussi sur ton... Il y a ça. Bah, après, c'est problématique, effectivement, quand tu changes de style et puis que tu tapes. Mais bon, apparemment, non. Je pense que j'ai quand même un... Par exemple, pour Magic, voilà, ouais, je vais pas changer de style drastiquement entre une image ou l'autre. Mmh. Il y a quand même toujours des points communs, peut-être la scénographie, le côté dark, sombre. Pendant ce temps-là, notre nain avance. Il court. Il va, court, vole. Tiens, Akira. T'as travaillé sur Akira ou c'est un fanart ? Non, c'est pas forcément. Enfin, c'est pas un fan art puisque ça a été fait pour la venue de Otomo à Angoulême. Il y a eu une exposition Glénat. En gros, ils ont appelé plein d'auteurs français pour faire un hommage. T'as la version en noir et blanc en dessous là. Donc il y a eu une expo. Ça avait été vendu en galerie. D'accord. Et donc pour le coup, c'était là j'ai fait du traditionnel. Donc je suis revenu à de l'ancrage classique. Ce que je faisais il y a des années quand je faisais toutes les illustres pour les jeux de rôle. Donc j'aime bien. Voilà, c'était l'occasion de revenir à quelque chose. De... Ben, encore une fois, tu vois, différent. Hop, pas du digital, mais. Ça fait un petit kiff d'ancrage. Infinity NS3 Human Sphere. Ça, c'est un jeu de figurines de l'espace. Jeu espagnol, je crois, mais qui doit être traduit en pas mal de langues. On en revient sur un travail d'illustration. Ouais, j'ai quand même essayé de faire un petit peu... Ouais, de. Là, je pense que c'est mon background designer, enfin de graphic design, qui fait que j'avais envie de faire un truc avec un parti pris un peu spécial. La typo qui flotte, apparente, les débris.
Le personnage tout blanc, là, style, on a enlevé les textures, les informations de couleurs, alors que c'est pas du tout de la 3D. Ouais, toi, ton outil, c'est vraiment que du, c'est principalement du painting de toute façon pour l'instant. Enfin, tablette, Photoshop et tout, pas forcément. Est-ce que tu as de l'intégration de 3D dedans ou pas plus que ça? Très peu, parce que je maîtrise pas trop les outils, j'ai pas trop passé de temps à développer. Je peux utiliser un petit peu SketchUp. Là, j'ai un nouveau projet de bande dessinée que j'ai écrit. Il a une histoire qui me tient très à cœur. Ouais, juste goût perso, voilà, le storytelling, la narration, c'est quelque chose que j'adore. Là, j'aimerais bien pas bifurquer, mais creuser un petit peu ça. Donc, je me suis. Prendre le temps de. Là, je l'ai pris le temps, là, j'ai une première histoire, sauf qu'après, comment dire. Vu que j'ai choisi un média que je contrôle moi, que je suis capable de tout faire, la bande dessinée, parce que j'en ai déjà fait, tout ça, et j'aime ce truc-là. Par contre, le seul truc très difficile, c'est le temps. Je suis parti sur 120 pages et je sais pas si ça sera fini dans 10 ans, peut-être. Mais du coup, je voulais prendre pas des raccourcis, mais développer des environnements sous SketchUp. Ouais. Donc, je suis pas dans un rapport de 3D réaliste. J'ai plus besoin de la structure, en fait, le filaire, la perspective. Pour gagner du temps, en fait. Gagner du temps, voilà, ouais. Si je regarde dans bande dessinée Alexis Briclot, on devrait trouver des trucs. Donc, j'ai fait de la BD franco-belge, Les légendes de la table ronde. Bon, c'était mon apprentissage. C'est un beau livre, Merlin. Ça, c'est mon artbook perso. Chez Café Salé. Ouais, 2010, il faudrait que j'en refasse un. Ça, c'est mon premier graphic novel. Bah, j'ai tout déjà pour en refaire un nouveau. Là. J'ai commencé à travailler dessus. Là. J'aurais bien 270 pages. 270 pages, ouais, ça fait un bel. Rempli. Un bel objet. Mais c'est du travail de design graphique, puis demander les permissions pour les images. Ça, voilà, ouais, c'était des essais. Je pense que je m'y prendrais plus du tout comme ça en bande dessinée. J'ai appris avec le temps, mais j'ai fait quelques bandes dessinées justement en, tu sais, ce qu'on appelle en couleur directe. Enfin, c'est pas vraiment couleur directe, mais avec un ressenti proche de l'illustration, de la peinture digitale. En fait, ça prend énormément de temps, et surtout, je pense pas que ce soit le meilleur moyen de raconter une bonne histoire. Il y a quelque chose, il y a une force en fait avec le trait quand tu utilises du noir et blanc ou des contours. Les formes, elles sont fermées. Et je pense que ça peut être... C'était intéressant, je suis très content de l'avoir fait. Mais c'était un écueil de vouloir... C'est chaque vignette qui ressemble à une illustration. Je trouve qu'on perd le sens de... Ça, c'est quand j'avais des cheveux, effectivement. Et je zoome dessus ou on passe? Non, tu veux passer. Le nain avance. Le nain avance. Ouais. Il vient de prendre son casque. Il vient de prendre de la lumière et tout. Oulad est en mode monacal, juste à côté de nous. Je lui ai mis une grosse mission quand même, c'est pas sympa. Ouais, et puis d'expérience, je sais aussi que c'est dur de travailler sur une station en fait qu'on connaît pas. Ouais. Passer de Mac à PC, où le style ne marche pas, les raccourcis vont pas. C'est pas assez jamais. On n'a pas les bonnes broches. Et quand c'est public en fait, et c'est dur, et on a envie de crier « Mais ça sera à la maison, je ferai 10 fois mieux !» C'est ça. « J'aurais déjà fini !» Ça, c'est moins sûr. Le jour est déjà fini. Ah, c'est, j'aurais pas, déjà fait, je 17, plus vite, j'aurais fait 17 versions différentes pour choisir la plus adaptée pour pouvoir faire. Parce que du coup, oui, c'est vrai qu'on en. Sur les nains, les elfes, les familles et tout, ce sera un jeu, ce sera des cartes, ce sera des illus. Ou c'est juste pas, un exercice. C'est un exercice pour l'instant. Pour l'instant, c'est un exercice. Je sais pas ce que ça va devenir, mais. J'ai rencontré Aoulad sur la Digital Painting School et du coup il y avait vraiment tout ce travail en fait. Je trouvais que pour un élève récent de DPS, il y avait énormément de boulot et il y avait un gros background en fait sur le comics français. Ouais. Je trouvais ça rigolo d'avoir les deux écoles en parallèle. Attends, c'est pas ici, c'est là. Toi t'as dû connaître ça, le Celtic. Ouais. Ouais, ça fait partie un petit peu de mes débuts presque professionnels. J'avais l'éditeur en chef de Semic, qui maintenant s'occupe de Star Wars chez Delcourt. C'est ça, chez Thierry Mornay. Thierry Mornay, ouais. Bah, c'est un ami. J'avais fait mon stage de fin d'année étudiant chez lui, et, alors qu'il ne bossait pas encore dans la bande dessinée. Donc lui, il avait réussi à fédérer, à créer une espèce de... d'émulsion autour de Semic. C'est avec lui, d'ailleurs, j'ai fait mon premier spawn. C'est lui qui avait monté le projet, qui l'a présenté à McFarlane. Tu faisais partie de la... on s'est déjà croisés. Sans doute. Peut-être. Quand ils ont lancé le petit magazine en noir et blanc pour les comics français, qui s'appelait
elle s'appelait comment ? Stranger ? Strange ? Non, pas Strange. Un autre Est-ce nom. Ils avaient repris un vieux nom de magazine qu'ils éditaient à l'époque. Ouais, Fantasque. Fantasque, voilà. Voilà. Ah oui, c'était intéressant. J'avais Après, oui, c'était du noir et blanc, mais il laissait carte blanche aux auteurs. Artistes. Ouais. Et c'était intéressant, parce que moi, je me souviens justement avoir fait un premier 6 pages dedans, tout petit format. C'est pas forcément Jojo. Enfin, quand je le revois maintenant, c'est... C'est avec un K. Je pense que ça ne doit pas être en ligne et j'espère bien que ça ne l'est pas. J'espère que ce n'est pas en ligne. Mais du coup, c'était super intéressant parce qu'à l'époque, ouais. En fait, c'était... Enfin, maintenant, ça change encore plus. La presse, c'est... Il doit y avoir des fans qui ont posté des images. Ce n'est pas possible autrement. C'est ça ? Ouais. C'est ça. Et du coup... Donc, ils avaient relancé. C'était une version plus moderne. Il y a des histoires courtes. Mais du coup, c'était assez intéressant parce que c'est aussi une super occasion de se faire publier, en fait. Je ne sais même plus si c'était... Ça devait être... Si, Thierry, je crois que c'était arrangé pour avoir une toute petite paye. C'était plus de l'ordre du symbole que l'autre, mais bon, les ventes, c'était pas non plus... Et du coup, ouais, c'était assez intéressant d'avoir un support, des contraintes réelles, comment dire, avant de commencer, enfin, avant de rentrer dans la cour des grands ou sur des gros projets, je dis par exemple, voilà, le fait de signer sur un album, les auteurs BD aujourd'hui, la plupart du temps aussi, tu commences pas sur un album, un one-shot, mais t'es obligé de signer pour une trilogie ou une série d'albums, si ça marche, en fait. Mais du coup, c'est des années de ta vie que tu vas passer à faire ce truc-là. Et pour moi, je me disais aussi, mais si tu n'as pas développé ton propre style avant, si tu ne sais pas exactement où tu es, ça nécessite une certaine maturation. Et du coup, vas-y, tu commences un album. Et puis, en cours de route, tu te rends compte que ça ne te correspond plus du tout. Ouais. Dommage. On avait quand même des pointures pour le Arthur Adams sur la couve. Alors, j'ai vu une question de Damien qui dit, d'ailleurs, en parlant de la peur de ne pas avoir de travail, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour débuter dans le milieu ? Parce que ça demande toujours de l'expérience. Ah ouais, il y a toujours le truc, c'est quoi vos tafs précédents ? Il faut manquer d'expérience et ouais, il faut faire ça. Bah, tu vois, ça c'était Fantasque, là, le truc dont on parle, c'était un support assez intéressant. C'est pour ça que je parlais de ça, là, par rapport à la bande dessinée, la difficulté, en fait, comment dire, de signer un plus gros album. Et là, c'était un support intéressant qui permettait à des petits jeunes de faire des essais sur quelques pages. Et du coup, idem pour l'éditeur, il ne va pas prendre un risque, ni monétaire, ni dans le temps énorme. Qu'est-ce que je pourrais dire à un petit jeune ? Bah, moi, ma recette, ça a été d'alterner les compétences, en fait, comme je disais. Dans ma masterclass, on est capable de travailler sur de la BD, de l'illustration, du concept design. C'est pas le cas de tout le monde, c'est des fois des envies personnelles aussi, où il y a des gens à qui ça correspond pas du tout. Pour débuter, je sais pas, ouais, ça nécessite la persistance, l'abnégation, de se remettre en question, beaucoup de sueur, toujours difficile. Et être capable de revoir des images d'avant et de se dire on a avancé, même si c'était être capable d'avoir un regard certes critique, mais sans vouloir jeter tout ce qu'on a fait avant. Ouais, c'est dur ça, parce qu'il faut savoir à la fois comment dire. Moi, le premier truc que j'allais dire, c'est plutôt analyser en fait tout ce qui va pas. Et il y a un rapport à la flagellation et il y a aussi une notion importante quand tu fais ça, c'est aussi prendre du plaisir et puis se dire voilà, ok, j'ai accompli ce truc là. Ouais. Il y a très longtemps, là, quand j'avais fini une BD, ma copine de l'époque m'avait dit ouais, « tu devrais calmer le jeu ». En fait, je crois que je l'avais fini en fait, plusieurs nuits blanches. J'étais sorti à 16h, tout ça. Et je l'appelle, en fait, et je parle juste de qu'est-ce que j'allais faire ensuite. Et j'avais même pas pris le temps de... De lui dire bonjour. Si, quand même. Bonjour, bonjour, ça va, toi ? Ouais. Si, non, quand même. Mais en tout cas, le temps de... Comment dire ? De prendre... J'allais dire du plaisir, de... d'avoir une certaine satisfaction par rapport à la tâche accomplie, en fait. Et donc, c'est important aussi d'alterner entre les deux. Mais il faut savoir également se bousculer et puis y a provoquer les opportunités. Donc, c'est un mélange de... Ouais, il faut aller les chercher parfois. Non, pas parfois, je dirais même tout le temps. Pouvoir les accepter, pas avoir peur du changement, de se mettre en question. Parfois, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, mais voilà, cette... C'est en faisant le travail là, qu'on se défonce et qu'on apprend, qu'on progresse. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Bah, je ne sais pas. Par contre, je vois, il y a du Bogdanov, et oui. J'ai du Bogdanov fait un petit... dans ton Insta, c'est ça ? Ouais, j'avais fait un petit portrait, une petite aquarelle de Igor. J'avais commencé à me documenter sur le duo, ce duo mythique, et ça me donnait envie d'écrire une histoire sur le temps qui passe, le changement. Le temps X qui passe, ouais. Le changement. Où est-ce qu'il est cet Insta ? On le retrouve là ou pas ? Non, j'ai pas dû le poster. Pas de Bogdanov sur ton Insta. Non, c'était juste les petits. La petite aquarelle comme ça, vite fait en passant. Et toi, on me demande si tu dessines aussi. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais avec beaucoup moins de temps passé par dessin. Je me lasse beaucoup plus vite. J'ai pas la.
J'ai pas l'énergie pour aller au bout de mes illus. Donc je vous laisse le travail. Ouais, je suis un peu une feignasse en fait. C'est pour ça que je suis pas. Moi je fais que la présentation. Donc là, le Fenkis qui est là, c'est ton lion, c'est ton loup, pardon. D'où il nous vient celui-ci? Bah ça c'était pour Thor Ragnarok. Mmh. Donc oui, c'est marrant, la masterclass que je viens de faire, là je viens d'expliquer un petit peu tout mon process. Ouais, je vais pas seulement montrer les images, mais c'est partager un petit peu comment je fonctionne. Mmh. Et c'est un petit peu une méthode que j'appliquerai ou que j'ai appliquée dans plein d'autres sur plein d'autres projets, en jeux vidéo notamment. Donc ma commande en fait, c'est travailler sur le look de Fenris, mmh. un personnage de la mythologie nordique, mais là en l'occurrence c'est pas seulement la mythologie nordique, mais c'est la mythologie de Marvel. Donc c'est un espèce de gros loup énorme, loup géant dans la mythologie Marvel. Et ce que je disais, ça peut peut-être être intéressant de développer là. Quand j'ai une commande comme ça, en fait, je me documente toujours sur le personnage. Donc je vais aller voir sur Wikipédia ou Marvel Wiki, en l'occurrence parce que c'est Marvel, d'où vient le personnage, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il représente, les symboles. Et en fait, la deuxième partie, donc si je trouve des références visuelles, mais surtout j'essaie de lire, de trouver des informations. Mmh. Et du coup, ensuite, je fais souvent une mind map. Je ne sais pas si j'en ai posté sur ArtStation. Si c'est à mon Instagram, il y en a, c'est sûr. Enfin, je crois. Mon Instagram, Alexis, on doit pouvoir trouver ça. Et en gros, c'est dans mes sketchbooks. J'essaie de faire une espèce de... Ouais, c'est une sorte de nuage d'idées, je dirais. En fait, où je commence toujours par le nom du personnage au centre. Ensuite, en fait, je fais des petits croquis à gauche et à droite. Et surtout, j'essaie d'alimenter avec des mots-clés. Bah, tiens, sur Azura, là, ou The Wasp, tu l'as, The Wasp, juste en dessous. Ça, c'était pour le film The Wasp, quoi. Donc, tu vois, je commence. Et simplement, j'essaie de faire des petits croquis. Sympa de pas perdre trop de temps parce que c'est pas l'objectif en fait. Je vais pas faire un chef-d'œuvre, enfin pas un chef-d'œuvre, mais passer grave de temps sur un croquis, ce serait débile parce que mon objectif c'est pas ça. Mais j'essaie de faire un truc suffisamment joli qui me donne envie de revenir sur la page, de la réouvrir et d'être content et d'être. De pouvoir te dire que l'illustration que t'as lancée, que ça sert à quelque chose. Et qu'il y a quelque chose de bien qui se passe, quoi, effectivement. Ça me met, je sais pas comment dire, dans le bon feeling. C'est ça, c'est ton premier jet, c'est là, mais tu sais ce que tu vas rajouter plus tard. Quand je la fais, je le sais pas, mais quand j'ai fini, en fait, en général, justement, j'ai des idées beaucoup plus claires et je sais sur quoi je vais travailler juste ensuite. C'est-à-dire, j'aurai pas le problème de la page blanche. Mm-hmm. C'est-à-dire, là, tu vois, en fait, en gros, on me demandait de travailler sur la guêpe et donc sur ce qu'elle allait faire. Donc, moi, je travaillais peut-être pas sur le design, là, mais c'était ses capacités. Donc je commence à me documenter, voilà, je sais qu'elle a des ailes, qu'est-ce qu'on voit d'autre. Attends, excuse-moi, j'ai cliqué au lieu de glisser. Donc voilà, on me dit en fait que le personnage fait du Muay Thai là, dans le film, donc elle sait se battre en plus. Du coup, tu vois, je fais des recherches sur Muay Thai, je vais chercher en fait ce que c'est, et là je vois que c'est l'art des huit membres en fait, que c'est un rapport avec... je crois que c'est le symbole, c'était l'araignée justement avec ses huit pattes. Du coup je me dis que j'ai une illustration à faire, je vais essayer de la développer en fait, un combat où elle va utiliser au moins un de ses quatre membres, c'est-à-dire les poings, les coudes, les genoux et les pieds, si je dis pas de conneries. Ouais, ça doit être ça. Et du coup juste après je vais travailler sur un enchaînement, une chorégraphie où j'essaie de réfléchir à une succession de mouvements et de coups où elle va utiliser tout ça dans la, entre guillemets, dans la même image, quoi. Donc c'est juste un exemple ponctuel, mais pour chacun des persos j'essaie de faire ce travail là et du coup il y en a peut-être une plus bas en fait, si j'ai posté un truc sur Surter, hein, parce que j'en ai parlé là, ça doit être beaucoup plus bas là sur Thor. Loki est là, c'est un peu la même chose, mais ça doit être la prochaine. Attention, on se rapproche. Inertie, tiens, voilà. Celle-ci, c'est celle-ci que tu voulais. Je sais pas si je l'ai en plus grand sur non, je crois pas là par contre, désolé. Et c'est donc Surster, raconte-nous. Moi, ouais, j'en ai parlé là. Donc ça, c'est la première mind map que je fais. Voilà, je mets le petit nom. Ensuite, en fait, je fonctionne. C'est exactement tout ce dont je viens de parler. Lecture. Et en fait, surtout, le truc le plus intéressant pour moi, c'est quand il y a des associations d'idées qui se créent. Par exemple, je sais que c'est une créature de feu. Mon brief, c'était de chez Marvel, donc c'est rigolo. On verra après plus tard. C'était d'éviter en fait un démon de feu classique, comme on voyait dans ou comme celui qu'on voyait dans Percy Jackson. C'était le contre-exemple qu'il prenait. Un gros démon tout rouge avec des cornes. Donc j'essaye de travailler là-dessus, et pour ça en fait j'ai besoin de savoir plus sur le perso. Je découvre que c'est la plus vieille créature de l'univers Marvel dans sa présentation. Donc du coup je sais que je vais avoir nécessité en fait d'exprimer le côté que la créature est intelligente, mais qu'elle provient d'une très très vieille civilisation.
Donc il y a le travail sur la vieillesse, le temps qui passe. Ensuite, le feu. Je me dis, voilà, bah, comment je peux contourner, comment je peux conserver l'essence de ce personnage-là. Mais le feu, il a différents états. On peut parler de magma, on peut parler de lave, on peut parler de plasma. Donc voilà, ça me donne plusieurs axes différents. C'est ce que tu retrouves sur le... Ouais, voilà. Et le truc intéressant aussi, c'est que quand j'écris ces trucs-là et ces mots-clés, en fait, c'est là où, des fois, il y a des, soit des confrontations ou des éléments complémentaires, enfin, comment dire, qui se créent. Et il y a deux idées qui s'associent. Et bien, ça en fait une nouvelle. Je me dis, ah, tiens, ça, c'est cool. En fait, moi, ça m'excite quand j'arrive à avoir un truc où je me dis. Ok, j'ai contourné, enfin pas contourné le problème, mais j'ai contourné le déjà-vu, les clichés, et j'ai une bonne idée là que je trouve sexy ou que je kifferais de l'avoir. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, en général, je peux dégager trois comment dire, grands points, genre trois axes principaux, qui me permettent en fait, comment dire, quand je vais me mettre au travail juste après, bah, j'ai trois axes de travail, j'attends pas en fait soit l'inspiration, soit l'éclair qui me tombe sur le coin de la tête. Voilà. Non, c'est cool, c'est vraiment sympa de pouvoir voir le process et tout, de voir justement comment tu pars de cette mind map pour arriver. Alors, est-ce que c'est lui? Ouais, enfin, c'est pas la version finale, c'est mais c'est une itération. Finale, ouais. Ça, c'est après que le réalisateur, la Taika Waititi, m'ait demandé. Enfin, j'avais pas mal lancé sur le perso avec plein de recherches complètement différentes. Mmh. Et là, du coup, on est revenu en fait sur un personnage baraqué en flammes. Mmh. Et l'idée, c'est qu'il aurait aimé voir en fait un squelette comme un effet radiographique en fait à l'intérieur. D'accord. Du coup, le deal, c'était comment tu gères en fait un effet de flamme qui normalement est plutôt opaque malgré tout. Enfin, c'est pas physique, mais ça masque les choses avec cet effet de radiographie. Et du coup, c'est ça qui nous a fait arriver à une espèce d'idée de, comment dire, de rendu un peu plasma, comme des éruptions solaires. Ou, Alors attends, est-ce que c'est celui du bas, là on est plutôt... C'est une autre recherche sur le même, mais ouais. Ouais. Donc ça c'est complètement différent, mais c'est là idem en fait, comme c'est une vieille créature, bah, je me suis dit que j'allais lui utiliser une base d'armure comme les armures gréco-romaines, enfin plus ou moins, pour justement en fait balancer dans le... Comment dire, chez le spectateur, l'impression de quelque chose de connu et de très vieux, donc un espèce de truc guerrier classique. Et pour renforcer le côté très vieux, énergie formidable et tout, je me suis dit qu'en fait, il avait vu pas mal de batailles. Donc, il a des parties, il a pris cher, il y a des trous, il y a des parties qui manquent, tous ces éléments en suspension, quelque chose de magique dedans. Et surtout, on voit le feu à l'intérieur. Donc, ma créature, c'est pas un démon de feu, mais le feu, c'est une espèce d'énergie. C'est une énergie qui rajoute et qui... C'est limite son super pouvoir, quoi, si on est dans ce sens-là. Non, c'est vraiment cool de justement de pouvoir échanger, là, de voir que c'est pas juste, tiens, j'ai un personnage, il fait ça, et je vais le dessiner. Enfin, t'es jamais sur l'idée de base, t'essayes toujours de gratter un petit peu plus loin. Ouais, grave. Bah, ça fait partie du boulot, en fait. Sinon, t'arrives qu'à des trucs, je sais pas comment dire, un feeling de déjà-vu ou de... Pour produire des choses que tu as vues ou c'est pas super intéressant. Moi, pour moi, c'est le cœur du boulot de concept artiste. Et justement, on parle de concept, il y a de l'idée à développer. Alors parfois, on va revenir sur des trucs convenus. Oui. Surtout que, à moins d'être directeur artistique, et encore, j'allais dire comme dans la boîte du jeu vidéo que j'avais montée, mais chez Marvel, c'est pas moi le décisionnaire. Il y a Kevin Feige tout en haut, il y a les directeurs, tout ça. Donc je balance, je nourris la machine. Des fois, j'aimerais bien être aux réunions, aux meetings, et puis d'argumenter sur mes visuels, mais on est. Ouais, toi, bonne dizaine d'artistes, c'est pas notre rôle. T'envoies les images et c'est eux qui. Et je serre les doigts, je serre les fesses. Ouais, exactement, genre. Exactement. Ou ça m'a plu, ça m'a pas plu. Parfois, c'est un autre artiste qui va reprendre une partie de l'idée que j'ai développée. Mais à mon sens, ouais, c'est ce qu'ils attendent de moi. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, je pense que normalement, ils bossent. Ils ont comment dire, une équipe clé permanente. Et moi, le truc cool, c'est qu'ils m'ont gardé. Pas seulement temporaire, c'est qu'ils m'ont gardé en fait. Et quand un film a fini, ils m'ont fait basculer sur l'autre pour me garder. Et le truc aussi super cool, moi, au niveau boulot, c'est que bon, entre Thor Ragnarok, Ant-Man et la Guêpe, Captain Marvel, c'est l'univers Marvel, mais les tâches sont complètement différentes. Ouais. Ant-Man, c'est ancré dans la réalité, donc c'est toujours des décors réalistes. C'est un autre type de pouvoir. Thor Ragnarok, là, ça partait en sucette. Enfin, j'ai beaucoup aimé, moi, le film, le ton déconnant. C'est une espèce de space op grandiloquent. Captain Marvel, c'est pareil. T'as les années 80, les années 2000, plus, enfin, sur Terre, plus à l'autre bout de la planète, là, des civilisations extraterrestres. Alors, question, t'es dedans. Fasilio trouve la recherche de concept encore plus intéressante que le résultat. Ouais, bah des fois on me le dit, ça me fait plaisir, effectivement.
Parce que, ouais, et en fait, moi, ce que je fais maintenant pour Marvel, c'est, par exemple, sur ce personnage-là, bah, c'est une des premières propositions que j'ai fait pour le gros démon de feu, parce qu'il est à l'écran, là, et c'est complètement différent. C'est un travail avec des os, avec, bah, pareil, une espèce de feu, des espèces de signes ésotériques. Mm-hmm. Donc, ils m'ont dit, bah oui, mais on a déjà un tout petit peu ça, ça risque de rappeler, en fait, ce qu'on a dans Doctor Strange, qui était en développement à l'époque, donc on va éviter. Et je crois que la première semaine sur ce boulot-là, en fait, bah, tout mon travail sur le démon de feu, là, je suis vraiment parti en exploration un petit peu sucette, là, en essayant vraiment de creuser des idées autres. Mm-hmm. Et finalement, au final, bah, voilà, on retombe sur un look. Bah, il fallait que ça ressemble au personnage du comics. Et du coup, maintenant, j'essaye toujours d'alterner avec des propositions un petit peu pas folles, mais qui vont vraiment plus loin que moi, j'aurais envie de voir, où je serais vraiment surpris. Et puis, toujours, en fait, des propositions qui sont bien plus proches de ce qu'on connaît des personnages, quoi. Ouais. Donc j'alterne avec ça, et après, encore une fois, c'est pas moi qui fais le choix définitif. C'est pas toi qui va te caler sur la... Toi, t'es l'illustrateur, t'es pas le DA final, exactement, pas toi qui valide. Ouais. Ouais. Donc du coup, j'essaie juste de faire le meilleur taf que je peux pour essayer de vendre ma cam, en fait, que ça soit sexy, et que, en tout cas, ça suscite des questions. Et je sais que souvent, en fait, y a des bons retours, en fait, de mes visuels, dans le sens où, même si c'est pas le choix qui va être pris, ça suscite des questions, et donc une discussion... Et ça, dans un processus créatif, c'est super intéressant, important, quoi. Carrément. Alors, où en est notre nain? Pendant qu'on a quelques questions, comment gères-tu ton temps? Est-ce que tu consacres plus de temps à la recherche? Me demande Damien. Ça dépend. Si je fais de l'illustration, là, en fait, je suis quasi plein temps en concept design pour Marvel. Et je dirais que, quelque part, la recherche, c'est tout le boulot. Non, oui, ça y est, je vois ce que tu veux dire au niveau de la question. C'est par rapport à ce que j'ai parlé d'avant, la mind map, tout ça. Je dirais, parfois, ça peut aller une demi-journée. Ou peut-être des fois, je te dirais une journée, si c'est un gros truc. Ça paraît beaucoup. Ça dépend après, combien de temps je vais passer. L'implication, parce que tu disais que tu étais en train de non seulement de dessiner, mais de rechercher. Donc, je suppose que ça doit être du lien, de la lecture, et puis qui entraîne d'autres lectures, d'autres recherches, des images. Tu te fais quoi? Tu te fais des boucles d'images, des trucs qui existent pour ne pas les reproduire Alors, j'évite. Des fois, je vais regarder forcément des concept art qui ont été faits pour d'autres projets, mais en fait, c'est le truc vraiment à éviter. Parce que sinon, tu vas faire une ressucée de tes influences et tu vas faire un truc qui... Enfin, comment dire, moi aussi j'ai lu plein de BD, j'ai vu plein de films, j'ai vu plein de JV, donc ça en fait partie. Mais là où c'est intéressant, c'est quand tu vas creuser comment dire, ailleurs. Et du coup, ce travail de recherche, c'est ça qui peut te permettre d'aller beaucoup plus loin. Et ouais, moi, en fait, moi, je me fais des folders, mais je sais pas, sur Sorter, tu vois, j'ai dû faire des recherches en fait sur j'arrive à un moment, plasma, à quoi ça ressemble du plasma, éruption solaire en fait. Parfois, je vais même aller lire qu'est-ce que c'est du plasma, et du coup, en fait, je vais juste avoir un mot-clé qui va me renvoyer sur autre chose, et ça va me nourrir une autre idée. Après, ça peut être plus arme médiévale, nordique, machin bidule, donc je vais tomber sur une première épée, une deuxième, enfin, je vais voir, à un moment, j'en trouve une qui va être rigolote, intéressante. Des fois, il y a des accidents qui se créent, et c'est la même chose en termes de lecture. Mais ouais, du coup, ça dépend de ta tâche. Parce que si j'ai un concept design à faire pour le lendemain, c'est-à-dire j'ai une journée pour le faire, les recherches, je les fais en même temps que je bosse et il faut que j'ai une idée tout de suite. Donc là, il faut que ça processe rapidos et je ne pourrais pas aller creuser aussi loin. Par contre, des fois, c'est des projets un petit peu plus, conceptuels, compliqués. Il n'y a pas longtemps, j'ai bossé aussi sur Magic, là, je crois que je ne peux pas en parler, Magic the Gathering. C'était super intéressant, c'était pour résoudre un problème de design. Et du coup, je pense que... En fait, c'est pas seulement se mettre au boulot, parce que tu peux te mettre au boulot devant ton écran et tu vas faire de la merde. Mais l'idée, c'est trouver la bonne idée. Et des fois, elle arrive pas comme ça, faut batailler, faut la provoquer. Mais moi, j'ai besoin d'aller marcher, je fais un tour, je me fais mes films, je me fais des bruits dans la tête. Enfin, j'essaie de trouver la mise en scène. Tu te racontes toute l'histoire qui va autour. J'en ai besoin. Là, en l'occurrence, c'était il fallait résoudre une séquence. C'était un truc animé dans le mouvement. Et du coup, en fait, c'était pas seulement le look d'un personnage, c'était un espèce, difficile à décrire comme ça, un effet spécial. Et ça vient pas comme ça, il y a toute une chorégraphie. Et là, du coup, en fait. Il y a toute une réflexion sur ça, que t'es obligé d'être dans ta bulle et d'être. Ma bulle, je bosse dans un studio avec plein d'autres personnes qui font plein d'autres trucs, et c'est assez intéressant parce que des fois, ça me nourrit aussi. Tu vas prendre un café, tu parles avec quelqu'un d'autre et il va te parler complètement autre chose, et ça va nourrir la machine, et tout d'un coup, t'auras le déclic ou tu vois un autre truc. Tu gardes des bouts d'idées, tu parlais des mind maps tout à l'heure, mais
en arrière-plan, t'as un truc qui en appelle un autre, etc. C'est jamais, ça permet d'avoir un vrai background sur les personnages et pas avoir juste le perso qui rentre et qui fait une action qui disparaît dans l'histoire. Ouais, exactement. Puis t'as parlé de tâches de fond, là, et je crois que je suis un petit peu comme ça. Comment dire, je kiffe mon travail et quand je suis impliqué sur un projet, que j'écrive pour moi-même ou que je fasse du concept, tout ça. Illustration, parfois, c'est une autre forme de, pas de fatigue, mais de travail. Parce que des fois, les persos, ils sont tous là. Tu dois juste gérer une composition, tu dois juste gérer les problématiques de couleur, de composition. Enfin, c'est balèze, mais c'est un autre type de travail. Alors, le concept, c'est vraiment. Comment dire ? Ouais, trouver la bonne idée, quoi. Et des fois, tu sens que t'as une piste qui est excitante. Tu te dis, enfin, moi, je kiffe quand ça m'excite moi-même. Je me dis, ah ouais, ça serait super, j'aimerais voir ça à l'écran, où je serais vraiment surpris. Et donc, pour moi, ouais, c'est un gros travail. Et oui, j'ai bossé sur le dernier Avenger et j'ai bossé aussi sur le prochain. Sur le dernier, il y avait quelques trucs dans le artbook. J'ai bossé sur Thanos et son gant de l'infini. Et sur le prochain, j'ai bossé sur. Je ne peux pas en parler, mais il y a des choses qu'on voit dans le dernier teaser. Tout ce qui n'est pas déjà sur Internet, vous allez faire comme tout le monde et attendre. Je ne peux rien révéler, mais il y a des choses visibles dans le dernier teaser. Il y a notamment un truc sur lequel j'ai bossé pendant plus de 5 mois. Attention, hein, parce que moi, si tu me dis des trucs et tu me demandes de les couper après, je fais la tête. Ben, je vais m'arrêter là, alors. Et oui, on ne peut pas tout avoir sur les... Sur les masterclass. C'est aussi le risque, justement, quand on est sur ce genre de plan, sur ce genre de boulot qui implique quand même pas mal de monde dans les équipes, de pouvoir réussir à avoir tout ça. Yay. Ah, on a réussi à trouver les limites du fond vert. Non, il y a un peu de fond vert. Tiens, rapproche-toi de moi, on aura plus chaud. On aura moins de fond vert. On le voit en tout petit. Ah bon ? Ouais, tu vois. Parce que j'ai malheureusement... Voilà, c'est pas mal, ça. On a ta tête en entier. Et voilà. On a la tête d'Aoulad en entier aussi. D'ailleurs, on va remettre son nain pour savoir si... Il a pris forme pour de vrai. Il commence à être bien en place. Il ressemblait un peu... Être belliqueux, avec sa grosse hache. Faudrait que je mette toutes mes couleurs maintenant... Non, je vais pas te faire une illus en couleur. Toi, quand t'es sur tes recherches, justement, des nains, des elfes, etc., est-ce que t'as le même genre de processus de recherche ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu... Voilà. Est-ce que c'est de l'imagination pure ? Est-ce que, voilà. Comment tu fonctionnes pour l'instant ? Alors, quand je fais des recherches, par exemple, ça, c'est des conquistadors, nains. Donc j'ai été chercher les armures, comment ils se mettaient à l'époque, comment ils étaient habillés. Des casques que je peux tirer chez des Byzantins ou des Romains. Je mixe un peu, mais je fais quand même des recherches sur Internet pour avoir toute la documentation près de moi, pour voir est-ce qu'ils ont des attaches sur le côté ou au-dessus, etc. Voilà. Voilà, je fais vraiment beaucoup de recherches avant d'attaquer quelque chose. Quoi. Ne pas être complètement lâché dans le vide. Tu n'es pas en train de faire juste du griffonnage sur carnet. C'est ça. Okay. Oui, parce que les références, c'est beaucoup de mémoire, mais à un moment donné, la mémoire, elle flanche un petit peu. Donc même, par exemple, je sais dessiner un chien, mais parfois j'ai besoin de références. Et donc je vais prendre des images de chiens pour vraiment être bien... Pour être sûr que tu n'es pas en train de faire ni un loup, ni un renard. De faire des bêtises. Non, les références, c'est toujours très important. Il y a TMPX qui demandait justement comment ça avançait ton nain, donc on y est. Voilà. Fasilio nous demande sur quel est le projet qui t'a le plus sur lequel tu t'es le plus éclaté et lequel a été le plus compliqué dans ceux qui ont été publiés. Si c'est le dernier dont personne n'a rien vu, ça compte pas. Au sein de Marvel ou tout confondu ou on ne sait pas trop. Je pense que à toi de voir. Bon, il y a quand même plein de projets sur lesquels je me suis éclaté où je kiffe mon boulot. Après, il y a quand même des contraintes. Le projet le plus compliqué, un truc qui me vient en tête, c'est à la fois super sexy, mais c'est la boîte de jeux vidéo que j'ai montée, là. Dontnod,
où j'ai co-dirigé la direction artistique là, du premier jeu Remember Me. Mais surtout, ça a été sur 6 ans. Et c'est la boîte qui a sorti aussi Life is Strange, Vampire, ensuite. Et en fait, le fait de, je crois qu'on a mis 5 ans pour sortir le premier jeu. Mais c'était une superbe, enfin, sacrée aventure énorme. Bah, on n'avait rien au début, pas de thunes, pas d'équipe, quoi que ce soit. Et donc, on a réussi à vendre notre premier projet, enfin, le réaliser surtout. Et c'était assez ambitieux, là, vu qu'on était parti sur un triple A et pas forcément un jeu indé. Mais à la base, oui, on avait que dalle. Et je ne sais même pas comment, parfois, comment on a fait pour monter tout le truc et tout. Ouais. Et y a, par contre, effectivement, ça a été beaucoup, beaucoup de choses. Comment dire, difficile quoi. Là, je parle pas seulement de la direction artistique et trouver le ton, non, c'est plutôt tout l'ensemble. Le fait de monter une nouvelle structure, un truc aussi énorme, et les tensions, et les. Une série télé sur comment j'ai fait. Comment ça s'est passé, les coulisses et tout, ce serait super intéressant. À défaut d'avoir un documentaire, puisque le documentaire, on n'a pas filmé. Ouais, il faudrait le faire en direct. Il aurait fallu toutes nos. Donc, ouais, ça, c'était un truc. Bah surtout aussi, c'est dans le temps, en fait. C'est entre une illustration qui va prendre une semaine, je vais peut-être avoir un super plaisir et c'est cool, j'en suis content, après ça reste. Si c'est douloureux, bah c'est fini, quoi. Par contre, un projet, voilà, quand tu passes la boîte à 10 ans maintenant, on a passé 5 ans sur le premier truc, donc c'est un autre type d'investissement. Et pendant les 5 ans en question, c'était 5 ans que sur ces projets-là, sur un projet ou sur un... J'ai essayé de conserver d'autres trucs à côté, mais c'est devenu hyper dur. Et par exemple, oui, le nombre de fois où ça m'est arrivé de revenir le soir à 20h en fait, devant ma tablette. Et à la base, moi, je voulais créer un monde, peindre, dessiner, tout ça. Et en fait, j'avais toujours pas allumé la machine parce que j'ai eu des réus ressources humaines, design, comment dire, design, pas design graphique, mais le game design du jeu, le cœur du jeu, parce qu'il fallait travailler en interaction, tout ça. Donc, ouais, parce qu'en plus, il y avait un gros boulot sur le scénario. J'ai vu qu'il y avait Alain Damasio sur le... Ouais, parce que c'est pas très bien passé, on va dire. Bon, j'ai rien dit, alors. Je pense qu'on a fait... que c'était pas adapté au développement. Quand je vois les interviews, il raconte qu'il y a 5% du travail qui est dans le jeu au final. Je pense qu'on peut inverser le process et se dire juste que ça n'a pas été pris dans le bon... C'est des univers qui étaient quand même hyper différents au départ, quoi. Surtout nous, il a fallu tout créer, en fait. Le concept de jeu, les mécaniques de jeu, l'univers, le background, et là tout est lié. Et du coup, ouais, d'autres trucs compliqués. Bah, si, ça me fait penser à un autre machin là sur Marvel. Donc je disais là dans le teasing que j'essaie de faire sans trop dévoiler tout. Propos de Avengers, là, le prochain Endgame, là. En fait, ouais, donc j'ai bossé 5 mois sur le même truc. Et donc je suis super content parce que il y a encore d'autres personnes qui ont travaillé après moi dessus. Mais on était toute l'équipe quasiment à bosser dessus au début. C'est une de mes versions qui à un moment a été poussée avec un autre gars. Donc du coup, ouais, il y a une sorte de. Un truc aussi qui se passe chez Marvel, c'est quand on a un autre truc validé. Souvent, c'est pas toujours le cas, c'est plus compliqué, mais c'est nous qui gardons pas la paternité, mais on nous demande de continuer sur le même personnage. Le même perso. Mais par contre, voilà, sur. Donc les 5 mois là, à la fin même, c'était hyper technique et ça commençait à devenir douloureux. Donc j'en suis super content, mais à la fin, j'avais juste envie, dites-moi tous les jours, je recevais un mail, il fallait changer la hauteur de la ligne de force du torse, la hauteur de la semelle, j'exagère un petit peu, mais super dur. Et du coup, sur Captain Marvel, j'ai bossé sur la Star Force. Pareil, ça se passait super bien au début. Enfin, comment dire, c'était dans... Ils sont partis sur mon idée à moi. J'ai bossé 7-8 semaines et au bout d'un moment, ils m'ont dit, en fait, non, on part sur une direction complètement différente par un autre artiste. En fait, c'est pas seulement dû à mon travail, c'est aussi dû au travail d'écriture. Ouais, en fait, qui parce évolue, il y a du script doctor. Et du coup, en fait, le concept même de l'équipe avait complètement changé, donc les personnages ou un cast, en fait. Et donc, c'était plus du tout les mêmes gugus. Ça m'est arrivé aussi sur Ant-Man et la Guêpe, à bosser sur des séquences. Comme je dis, des fois, j'ai des trucs super marrants. On me dit juste, trouve des idées fun. J'ai dû en poster sur Ant-Man, je pense. Il est où C'était avant, ça doit être au-dessus, en fait, je pense. Ah, moi, j'ai oublié de mettre... ça doit être au-dessus, alors c'est obligé, là, tu remontes dans le temps. Ça, avec le gros hamster, par exemple. Donc ça, c'est pas dans le film, mais si, c'est la séquence du début. Ouais. Et en gros, il me dit juste, là, tu vois, j'ai deux images et... Quality Time entre Scott Lang et sa fille, donc il utilise ses pouvoirs et en fait la mère est partie à un repas à l'extérieur et donc ils font une course sur des hamsters
vas-y, démerde-toi. Et donc, en fait, j'ai aucune information. Où est-ce que ça se passe? Dehors, sur la pelouse? Est-ce que c'est dedans, comment la lumière, est-ce que c'est le soir? Je me dis que si la mère est partie dîner, c'est à moi de lire entre les lignes et de savoir le truc. Et là, par exemple, tu vois, j'ai développé une petite séquence où je réfléchis sur Ant-Man. Je sais que dans le premier film, il a toujours eu des problèmes avec la loi. Ouais. C'est-à-dire, en fait, il commence en prison, il sort de prison, il retourne un moment en prison. Le beau-père, c'est-à-dire le mari de son ex-femme est flic et c'est lui qui enquête dessus. Du coup, il a vraiment un rapport avec la justice en fait très très particulier. Du coup, je te rajoute les Playmobil là de la police et je me dis ça peut être génial s'il passe à côté d'un Playmobil et il lui fout un gros kick. Tu vois, il y a tout un rapport symbolique quoi. Je crois que tu as la vignette du dessous, je sais pas si c'est dans le même poste. Non. Ah, c'est de celui d'avant ou d'après. D'avant ou d'après, on va voir. Non. Ah bah alors j'ai dû oublier de les poster. Ah bah si, c'est le gros hamster là. Ah bah il était en dessous. Merde, alors c'est quoi la suite? Non, le gros hamster, il est avec une seule vignette de celui-là. Ah bah ouais, bah, peut-être j'ai oublié. Ouais, t'avais juste une autre vignette complémentaire où on voyait en fait la petite fille qui répond au téléphone. Et en fait, l'idée, c'était juste avec parcimonie de montrer derrière le... Comment ça s'appelle? Le hamster géant et son père. Et genre la petite fille qui dit oui, tout va bien, tout va bien. Et là, t'as la mère qui voit qu'il y a un espèce de truc super bizarre dans le cadre, genre le hamster géant... Et donc ça va pas, il décolle un peu à la maison. Ça va bien, mais non, mais pas tant que ça en fait. Et si vous avez vu le film, donc je vais pas spoiler, mais ouais, ça, l'esprit de la scène est conservé, l'intention, mais c'est pas du tout la même chose. Ah bah voilà, c'est celui-là, ouais. Par contre, on voit pas grand-chose. Bah tu vois, on voit à peine le visage. Et là, c'était délicat parce que, ouais, ce genre d'illus, tu vois, il, pas technique, mais aussi quand même. En fait, il me demande de montrer très très peu. Il faut juste qu'on devine. Là, en plus, on a du mal à voir, mais il y a juste le nez du hamster pour que ça fasse sens. Mais il faut pas en montrer plus pour regarder le côté flou. Oui, tout va bien, t'inquiète, on est tout petit maintenant. Je vois bien. Est-ce que tu as un œil sur ce qui se passe après, par exemple, la création 3D derrière, ou une fois que le concept est parti, c'est fini pour toi? Avant, par le passé, par exemple, dans ma boîte, maintenant, il y avait un œil sur tout jusqu'à la fin. Il y avait un gros suivi, tout ça. Pour Marvel, par contre, ouais, c'est plus, je fais partie, je suis un rouage, en fait, de la grosse machine de guerre. Et parfois, ils m'ont demandé de revenir, par exemple, sur Sorter. En fait, je crois que... 2 mois avant la sortie du film, ils m'ont demandé de retravailler dessus, mais c'était pour réalimenter des nouvelles pistes, enfin un tout petit détail plutôt. Mais non, en fait, pour moi, le job, il est fini, en fait. Je ne fais pas de suivi, on ne me demande pas, on ne m'envoie rien. Et d'ailleurs, le truc aussi qui est rigolo, c'est que parfois, j'ai des bouts du script. Au début, j'avais vraiment des fois, je travaillais sur des scènes et je ne sais même pas l'enjeu. Donc ça, c'est compliqué, je trouve. Parce que moi, j'ai besoin de savoir... D'avoir un peu de background, d'avoir... Ouais, qu'est-ce qui se passe, à quoi ça sert. Et puis savoir comment ça va se développer derrière. Parce et moi, je suis enfin, en fait, quand j'ai pas ça... Donc là, encore, pareil, je dois remplir les trous, tout ça. Mais c'est quand même super intéressant. D'autres fois, bah, par exemple, sur... les 2 Avengers, là, Infinity War et Endgame, j'ai eu du gros spoil parce que ça faisait partie de mon taf. Donc là, j'avoue, j'ai kiffé là, qu'on m'explique tout le truc. Là, sur les prochains projets, bah, je reçois des fois des storyboards entiers, pas de tout le film, mais de grosses, grosses séquences. Et ouais, j'ai une vue sur tout le scénar. Mais en fait, encore une fois, ouais, le scénar, il évolue grave. Et du coup, quand je découvre le film au Cinoche, comme tout le monde, en fait, bah, je croise les doigts pour un maximum de choses que j'ai fait qui sont dedans. J'en reconnais certaines. Parfois, je suis surpris. Et là, je discutais avec Andy, là, justement, qui est le lead, et qui me disait, en fait, on parlait de Captain Marvel. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ont fait. Gros travail d'écriture, enfin, super travail pour relier ce nouveau personnage à tout le reste de l'univers. Enfin, il y a plein de choses touchantes en plus. Et il me disait, ouais, je t'envie, en fait, parce que moi, j'aimerais bien avoir le regard, un regard frais. Mais comme lui, il est au cœur du process, c'est-à-dire que lui, il fait les réunions avec Kevin Feige, avec les producteurs, avec les réalisateurs, et il fait aussi une grosse partie du suivi. Bah en fait, je vais pas dire qu'il est spoilé, mais lui, il connaît il connaît tous les trucs. C'est un peu comme dès que tu passes du côté de la technique où tu commences à plus voir que les perches dans le cadre. Ouais, exactement, quand tu as trop le nez dedans. Bah, par exemple, Ragnarok, là, Thor, je l'ai découvert en salle. Et j'ai bossé, il y a des séquences sur lesquelles j'ai bossé, des séquences qui sont restées, même des trucs drôles. Et ouais, j'ai été super surpris. Je l'ai vraiment découvert, en plus, avec toute la salle là, qui se marrait là, toutes les 2 minutes. Non, c'est clair que ça doit faire. Puis toi, du coup, quand tu vas sur un film sur lequel tu as travaillé, tu essayes d'y aller genre tout au début pour avoir les premières réactions, ou tu laisses un peu le temps à la mayonnaise de prendre et de voir ce que les gens en disent? Comment tu... Bah, déjà, de prime abord, j'ai pas besoin de me forcer pour avoir les films Marvel. Enfin, j'ai des goûts éclectiques. Si je te parle de mes autres goûts cinéma, là, c'est pas du tout genre de truc, mais je trouve qu'ils sont quand même bien ficelés de façon générale et je passe un plutôt bon moment. Donc ouais,
Après, je fais mes devoirs, c'est mon job, donc j'ai quand même l'air con. Enfin, c'est une de mes forces aussi, c'est que je connais. Tu l'as vu, non, mais il y a plus ce personnage, pardon. Bah voilà, et tu vois, il y a des tâches, en fait, quand je bosse pour eux, ils n'ont pas à m'expliquer parce que je connais le personnage dans les comics, parce que je suis sur la bonne lignée, je sais ce qu'ils veulent, je sais vers où aller, donc ça fait partie aussi de mon taf. Et d'autres fois, bah, c'est le truc qu'ils font aussi, s'ils m'invitent aux avant-premières. Là, tu as montré, il y a des photos de Ant-Man. C'était à Paris, il y avait tous les acteurs, y avait là, tout ça, acteurs, donc ça, c'est rigolo. Attends, il y avait Stranger Things juste avant, ils sont là. Non, pardon, c'est pas comme ça que je le fais, c'est ici. Michael Douglas, qui parle un peu français, et puis surtout Lily Evangeline aussi, qui parle français. Ici, ils sont tous mis pour venir en Europe. Ouais, ils avaient fait un gros truc, là. Donc ça, c'était cool, carrément. Ils t'ont pas gardé au premier rang, genre les concepts. Non, j'aurais aimé, mais ouais, mais j'aurais aimé aussi leur faire la bise, mais... C'est pas tout à fait comme ça, quoi. C'est vrai, je racontais tout à l'heure, les trucs kiffants, c'est qu'avant de bosser pour Marvel Studios, en fait, j'ai été... l'histoire, comment c'est arrivé, c'est que j'ai reçu un soir... Enfin, j'aime bien le raconter comme ça, effectivement. Je rentrais avec un de mes meilleurs potes, on était allé boire des verres. Je rentre chez moi, je regarde mes mails très tard le soir. Et là, je vois un mail de Marvel TV qui me demande si... qui me dit si je suis au courant. Je suis sur la shortlist des... Je sais plus comment... Le titre exact, c'était... directeur créatif de la partie visuelle pour les séries télé. Il me demande si je suis prêt à bouger à Los Angeles. Il y avait même le plan dans le mail avec où est-ce que ça se passe, le lot. Ton avion part à mais il n'y avait pas tout quand même, quoi, mais beaucoup de trucs. Donc je me dis, ouais, putain, génial. Parce qu'après avoir bossé autant de temps, enfin, moi je kiffe le cinéma. Et là, il y avait le côté. Donc j'ai fait les conf calls après avec la producer et je demandais, comment dire, est-ce que ce serait bosser avec les showrunners. Parce que l'écriture, c'est quelque chose qui me passionne. Là, j'y pensais, hein, des projets sur lesquels je me suis le plus éclaté là, récemment. C'est le fait d'avoir fini mon premier scénar, d'avoir potassé tout ça et tout, bah, bref. De bosser avec le costume department, bah oui. De bosser avec les mecs qui construisent des décors, bah oui, ça fait pareil truc. Et des fois, d'aller sur les sets, elle me dit, oui, il y a un tournage à Los Angeles, à New York parfois et tout. Donc là, moi, toutes les cases étaient cochées, bah ouais, allons-y, je suis chaud là. Enfin, gros changement de vie. Après, je leur explique, effectivement, je venais de prendre un appart sur Paris, il me fallait la green card, donc ça prenait plus de temps. Et en fait, ça s'est pas fait. Et je pense qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas défini exactement leurs besoins. Parce que je leur ai demandé, est-ce qu'il y a besoin de manager une équipe. Ils ne savaient pas. Je leur demandais le volume, qu'est-ce qu'il y a à faire. Ils ne savaient pas. En fait, ils prenaient un petit peu les devants. Je pense que pour eux, le plus simple, c'est effectivement de prendre un mec à Hollywood qui prend sa bagnole, qui arrive pour un meeting. Et ce n'est pas le mec qu'ils ont besoin de faire déménager de l'autre bout du monde. C'est ça. C'était des coûts un peu importants pour une prod, quoi. Ouais. Mais du coup, bah, je leur ai tapé une visite quand même. Donc le truc rigolo, là, c'est qu'on était allé à l'époque sur le plateau de... Agent Carter et Agent of S.H.I.E.L.D. Donc il y a des fois, je peux avoir un petit côté fanboy. Là, je me souviens juste à la cantine, il y avait les acteurs. Et puis, je savais forcément qu'on était sur le set, mais ça me faisait délirer de manger, de reconnaître les... Bon, je ne suis pas trop ces séries-là, mais de reconnaître quand même les acteurs. Et puis, super visite, la partie costume department, où ils nous ont expliqué comment ils faisaient le truc. Il y a quelque chose de magique. Enfin, moi, je kiffe trop. Après, sur le set, la productrice m'avait mis sur un fauteuil juste derrière le réalisateur qui s'est tourné un moment, qui demandait en rigolant qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il fout là. Parce qu'apparemment, normalement, il recevait pas beaucoup de visiteurs. Là-bas, je regardais un petit peu ce qui se passait sur le plateau et je me suis dit, oh là là, si je dois bosser là, par contre, je connais l'industrie du jeu vidéo. Mais j'étais là, je me dis, putain, s'il faut dire au gars, je sais pas qu'est-ce qu'il fait le mec à la machine à fumer à l'arrière-plan là. Enfin bref. Et l'histoire, ouais, c'est que j'ai profité de ce voyage là pour aller faire une visite chez Marvel Studios. Et du coup, mon contact là-bas, Andy Park, là, le lead, m'a dit que... Enfin, je ne le connaissais pas avant, en fait, que son travail, qu'il était fan de mon boulot en illustration depuis des années. Et il m'a demandé de lui-même, en fait, si je faisais du concept art. Et en fait, bah, ça tombe bien, oui, j'en avais fait plein sur plein de jeux vidéo. Donc, j'avais plein de choses à lui montrer. Tu sais, tu lui as dit, mais attends, t'es pas allé sur mon session, mec. Non, parce que je n'ai pas posté forcément des masses. Et je suis même pas sûr que ce soit... Je l'alimente avec parcimonie, mais tu vois, j'ai pas... Alors, j'ai posté... 6 ans sur Remember Me, il y a des trucs qui ont vieilli aussi. J'avais bossé sur d'autres jeux. J'ai commencé chez Cryo, j'ai fait Egypt 2, ensuite Cold Fear pour Darkworks. Ensuite, je m'en souviens même pas du nom, merde. Un jeu où c'est Joe Madureira qui avait commencé le design. Bon, bref, ou des projets plus ou moins longs. Ensuite, chez Ubisoft, il y en a eu un paquet. Un paquet de projets comme ça. Est-ce que tu travailles sur ordi, tu travailles sur tablette? Je travaille sur une Cintiq, en fait, une grosse, avec deux écrans en plus où j'ai besoin de dock pour étaler tous mes trucs. Je pense que si je peignais à la main, ce serait pareil, j'aurais mon chevalet avec du bordel partout à côté. Et t'aurais moins de choix des images. Ouais, peut-être moins, mais... Enfin, alors aujourd'hui, ouais, c'est super utile d'avoir la dock. Et oui, je bosse sur avec la suite Adobe. Ouais.
tiens, on a, pendant ce temps-là, je vois que tu as posé le stylet. Oui. Zut. Bah. Comment on dit dans ces cas-là, aïe, aïe, on rentre du boulot. Voilà. Les nains conquistadors. Tac. Ah, voilà. Je t'ai fait un sale piège quand même aujourd'hui. Ouais. Donc c'est pas toi qui as décidé le sujet? C'est moi qui ai décidé le sujet. Mais j'ai pas le matériel. Ça, c'est effectivement. En général, moi j'utilise ça. J'ai une petite molette. Ça me permet de zoomer là où tu veux. J'ai mes broches. Tous les raccourcis que j'ai fait moi-même. J'utilise très peu le clavier aussi. Surtout la molette et les différentes touches. Qui sont paramétrées. On a eu un avis avisé de Stéphane au départ qui nous a dit. Tu peux tenter de brancher l'Intuos sur la Cintiq, mais je te promets pas que ça va fonctionner jusqu'au bout et que le driver va pas être perturbé par deux tablettes d'un coup. Ouais, il va devenir tout fou. Il a dit non, mais c'est quand même pas vraiment un écran. Enfin, c'est pas que un écran. Donc ça aurait pu lui faire peur. Je m'arrête là parce que c'est à ce moment-ci que je commence les couleurs. Faut pas aller trop loin non plus dans les noirs et blancs. Dans les noirs et blancs pour pouvoir retrouver tes valeurs. Enfin, c'est ça. Donc là, je commence à attaquer en couleurs. Je vais placer toutes mes couleurs et leur donner leur intensité. Peut-être un peu détaché avec comment on appelle ça, atmosphérique. Un peu d'atmosphère derrière pour pouvoir faire disparaître le nain. Et quand j'ai mes couleurs, j'attaque les détails. S'il y a des coutures, des ceintures. Cool. Et parfois même, je vais revoir ma documentation pour voir s'il ne faut pas des éléments. Peut-être une petite sacoche ici. S'il y a des lacets sur les chaussures, etc. Donc, voilà, c'est pour ça que la documentation est intéressante. Je la visualise, je la mets de côté, je fais mon croquis pour avoir mes poses, ma composition. Puis après, je reprends la documentation pour avoir les détails. J'attaque jamais les détails du premier coup parce qu'on se concentre là-dessus et on oublie le reste. Donc, il faut vraiment faire toute la composition d'abord et puis après. Quand tout est bien posé, que j'ai mon dynamisme. Quand tu es sûr que ça marche, tu peux commencer à rajouter de la texture. Alors là, je peux rajouter des textures et je peux zoomer pour aller venir vraiment chercher le détail, les petites bosses dans l'armure, vraiment les petits clous, les lacets, etc. Quoi. Bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. C'était vraiment cool. T'as mis une heure? Je sais pas. Ouais, quasi, ouais, c'est cool. Attends, c'est pas mal, classe. C'est toujours difficile, effectivement, cet exercice live pas chez soi. C'est vraiment l'exercice pas simple. Comme on savait pas trop, quand on allait récupérer Alexis, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que petite interview plus dessin? Ah, donc les nains, c'est en partie à cause de moi. Les nains, c'est en partie à cause de toi. Non, il y a deux trucs. C'est vraiment à cause de toi, parce que je m'étais dit, je vais faire une petite interview tranquille d'Avoulad et Gaëtan. On va être peinard, et puis derrière, je vais enchaîner sur Stéphane Baril. Et Stéphane Baril, vous l'avez vu passer sur les trucs et astuces. Je peux lui faire raconter des astuces de Photoshop pendant 4 minutes ou 5 heures. Ouais. Et du coup, si jamais tu traînais, je pouvais durer. Puis Gaëtan m'a dit, non mais attends, tu vas pas me faire rater la masterclass d'Alexis. Bon, ok. Vous ratez pas la masterclass d'Alexis, vous arrivez après. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Écoute, à très bientôt celle-là. Je vais la sauvegarder, je vais te la faire passer. Ok. Je vais juste dire coucou à Arnaud Classe qui vient d'envoyer un petit mot. Voilà. C'est un voisin. C'est un voisin belge. Voilà, c'est un voisin belge. Je me disais qu'il avait un nom de, nordique. Ouais. Et il fait de la 3D, il fait de l'impression de figurines. Ah. Et je travaille avec lui de temps en temps pour avoir des visuels en 3D quand j'ai besoin de lumière bien précise. D'accord, c'est lui qui te fait des pré-modes. C'est ça. C'est pas lui qui fait les modélisations des persos sur le jeu. Ah non. Ça, c'est vraiment géré par le. Ouais. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On en est où avec Alexis? On te libère aussi? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ou est-ce qu'on reste encore 2 heures ensemble? 17h30. Pas 2 heures, mais je te laisse retrouver Gaëtan. Oui. Et puis, merci encore. À très vite, on se retrouve après. De toute façon, c'est loin d'être fini par là. On attend les salves d'applaudissements au fur et à mesure. On va faire du saut de chaise. Je te fais passer de l'autre côté. Comme ça, je serai en face du clavier. Toi, tu seras en face de l'autre. Tu vas voir, ça va être bien. Oh, je suis tout rouillé. J'ai aidé un pote à un déménagement hier et je le sens encore là. C'est le retour des déménagements des uns et des autres. Et Arnaud Classe te demande de prendre une dédicace à Alexis.
Signature peut-être. La signature tout à l'heure, ouais. Je te recroiserai, je pense. Bonsoir. Ouais. Parce que là, vraiment, il y a vraiment eu un gros boulot. Merci, merci beaucoup pour tout ça. Hop. Sur le bureau. Check. Tu sais combien il y a de personnes là, qui suivent ? J'en ai strictement aucune idée parce que du coup, comme on zoomait, comme on passait beaucoup d'un écran à l'autre, j'ai pas du tout suivi. Arnaud, on est trois. Fasilio. Sébastien, 4, 5. Alors, il y a. Dites les gens, si vous nous suivez encore, si vous n'êtes pas en train de prendre le petit thé du dimanche après-midi, les gâteaux, tout ça, faites-nous signe dans le chat parce qu'on voulait vous compter. Et si vous avez une question surtout. Et si vous avez des questions surtout, ouais. Parce qu'il y a des TMPI qui voulaient surtout savoir si c'était des applis Adobe, bah ouais, sur la Cintiq, c'est un peu le concept. Quelle organisation, grosse organisation, ouais, tout à fait, on est dessus. Depuis 3 jours sur l'organisation. J'ai Richard, que vous ne voyez pas, mais qui est derrière en train de nous refaire des cadres, nous faire des gros plans d'Alexis. Comme ça, je peux me barrer, je peux faire une sieste sur le côté pendant ce temps-là. 42 visionnages en cours, nous dit TMPX. Je n'ai pas encore eu le temps de relancer mes fenêtres. Donc on est 42, tranquille. Le gros truc par rapport à nos sessions, en fait, c'est qu'elles sont vues en direct, à des heures qui sont pas toujours les mêmes, et puis les gens se réveillent en disant oh, vous avez fait ça, vous avez fait intervenir Marc, Sparte, oui, ça, Raphaël, c'est tous les gens qui sont passés, ça c'est tous les gens qui sont passés, j'ai fini par renommer tout ça. Donc il y en a qui vont découvrir lundi matin en arrivant au boulot que on a eu pas mal de monde pendant ces 3 jours. J'ai réussi à rassembler profils, ouais. Pas mal de monde, ouais. Des très très beaux profils. Ça me fait très plaisir d'avoir tout ce monde-là avec nous. Je sais que les prochains, quand ils vont débarquer sur la page Adobe France, vont faire zut. Ah oui, mais alors comment on fait pour être informé ? Vous allez sur l'accueil et vous vous abonnez. Et comme ça, vous arrêtez de me dire ah bah tiens, je savais pas qu'il y avait ces lives. Plus, l'événement là. Yamag, là, il était annoncé, non ? L'événement était annoncé. Le live stream a été annoncé un petit peu plus tard de notre côté, le temps de le mettre en place. Et le temps de réussir à attraper chaque artiste, qui sont des artistes sous l'eau au niveau du travail. Maintenant, maintenant qu'ils ont tous à peu près visité la salle, qu'ils ont tous vu à quoi ressemblait le live, ça va être beaucoup plus facile. Ouais. Ouais, bon, c'est rigolo, j'y repensais là, en fait j'habite Paris, donc c'est juste à côté. C'est ça. Et la différence c'est que vendredi j'ai pas pu venir, je bossais, hier déménagement d'un très bon pote, plus je suis retourné bosser, jusqu'à 21h. Et du coup, par contre c'est pas la même chose quand c'est à l'extérieur, à un autre endroit, hors de Paris, à l'étranger, aux États-Unis, parce qu'en fait je prends l'avion, et là c'est bon, j'abandonne, je bosse pas sur un autre support ou quoi que ce soit, donc j'oublie tout. Le boulot, c'est mort. T'es en mode, donc, là je suis sur le festival, voilà, ou là je suis sur la prod. Ouais. Alors que là, c'est genre, ouais, c'est bizarre. Je peux faire ça, c'est la fameuse tâche de fond tout à l'heure. Le local où je bosse, là, ouais, c'est à 10 minutes en vélo quoi, d'ici. Donc. Ah ouais, donc effectivement, c'est assez pratique. Mais c'est compliqué de déconnecter. C'est un peu l'actualité de maintenant. Alors du coup, nous, on remonte sur quoi ? Sur tes images, on a fait un bon tour de Marvel, on a fait un bon tour de Ant-Man, d'Avenger, de Captain Marvel. Tu veux jouer avec la tablette ? Attention. Oh non. Oh non. Non, non. Tu veux porter un meuble ? Non plus. J'ai vu du Stranger Things, je sais plus où et à quel endroit. Ça, il y en avait un petit peu. Pour le comics Dark Horse. Ouais. Donc voilà, c'était marrant. Si, il y a un petit truc intéressant là-dessus, bah, pareil, en termes de style. Le format est tout petit là à l'écran, mais il y en a peut-être une autre avant qui est plus. Attends, on va essayer de te mettre du volume et on va te mettre en face du micro. Et tant que je ne vois pas écrit back, c'est que c'est bon. Là, ça va mieux peut-être. Là, tant mieux. Ouais. Ok, bon, cool. Ouais, je sais pas si tu peux tomber peut-être un peu plus. Tu remontes dans les images. Donc, c'est une série là, il y a eu la première saison du comics. Donc, il faut que tu ailles plus bas Tiens, prendre celle-ci. Ouais. Là, du coup, le truc intéressant, c'est que c'est du numérique, mais j'ai essayé d'émuler, de me rapprocher du style visuel qui a été utilisé pour les affiches de Stranger Things, et surtout qui, lui-même, ce style-là, en fait, illustrateur, il fait clairement référence à Drew Struzan, donc l'affichiste super connu et très très balèze, qui a fait notamment toutes les affiches des grands films des années 80, Star Wars, la première trilogie, Indiana Jones, Retour vers le futur, donc c'est vraiment un titan.
qui a bizarrement maintenant il n'est plus du tout appelé au niveau du boulot, mais en fait c'est bizarre pour moi, il a ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire en fait son travail est absolument génial, il a une qualité de dessin fabuleuse, il stylise les choses et tout, mais il fonctionne aussi par collage. En fait avec l'avènement Photoshop, en fait tout le monde s'est dit maintenant c'est des collages qui ressemblent à ce qu'il faisait, mais à partir de photographie, il n'y a plus la patte dessinée, la patte peinte. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a pris sa retraite. Et du coup sur ce projet-là, le truc intéressant c'était de reprendre ce style-là. Donc en fait, de me rapprocher d'un style traditionnel, donc je peins un petit peu comme si je le faisais à l'aéro, tu vois, avec des sous-couches, avec du spray, en fait, où là, il y a forcément des petits points, un petit peu comme si j'utilisais un aéro, du crayon de couleur, en fait, pour rehausser les contours, avec un premier certi noir, ensuite un certi plus clair. Et surtout, ma composition, en fait, elle fait référence à un clin d'œil qui apparaît dans la première saison, qui est The Thing, qui apparaît, je crois, sur un écran, en fait, de télé. Et du coup, si vous reprenez, en fait, la partie haute de mon image, là, c'est un référent au premier poster de Drew Struzan de The Thing, qui n'avait pas vu le film et qui a fait un espèce de truc abstrait parce qu'il n'avait aucune information sur, sur le gueule de la gueule de la créature. Tout à fait. Qu'on ne voit pas longtemps, en fait. Hop, celui-ci. Ouais, exactement. Je crois qu'il s'est pris en photo en dehors de chez lui, il neigeait, pour avoir une ref, et il a fait un truc très chelou. Et c'est intéressant aussi, parce que voilà, The Thing, c'est le côté... Il n'y a pas seulement un poster, un seul visuel, ou c'est un seul état de la créature, tu sais, dans le film, elle a pas d'état, en fait tu peux pas dire tiens c'est l'escargot géant, tiens c'est le dragon, je sais pas quoi. On va faire peur aux enfants, je sais pas s'il y a beaucoup d'enfants qui nous suivent, ne regardez pas The Thing tant que vous êtes pas assez grand. Ouais, c'est un petit bijou ce film. Il y a un truc rigolo, descend voir, en fait c'est la typo de Stranger Things, je sais pas si les gens savent, mais en fait, t'as vraiment une vibe années 80 dans ce projet. Ouais. Je suis tombé sur la... Je crois qu'elle est disponible sur le net, mais il faut creuser sur la Bible narrative, la Bible du projet. Je ne saurais pas dire, ça va être trop long à trouver, à mon avis, de Stranger Things. Et en gros, c'était bourré d'images de films des années 80, en fait, qui vont être repris dans le film. Mais c'était vraiment pour, tu sais, échanger avant que le projet soit fait. Ouais. Donc, ils n'ont pas fait appel à des concept artistes, mais ils ont pris des séquences, en fait, de films très, très forts. Et ouais, j'avais parlé de la typographie, justement. En fait, la typo Stranger Things, c'est la même typo qui était utilisée sur les romans Stephen King à l'époque. Ouais. Et donc, du coup, forcément, ça rappelle un truc, ça induit un machin quand tu les vois et que tu as vu les romans, la plupart des romans de Stephen King. Y a un machin de nostalgique qui se crée, quoi. Il y a un lien. Je sais que j'avais vu pas mal de sujets, justement, sur les Fonzie News. Voilà. Hop. Fonzie News dans Stranger Things. Bengiat. Avec ici Bengiat, et je pense qu'on va pouvoir la trouver dans le CC. Parce que ça aussi, c'est devenu un vrai bonheur pour tous les graphistes. Hop, bonjour, c'est chez moi. Je veux bien me connecter. De quoi trouver les fontes rapidement ? Ah ouais, mais d'avoir accès à toutes les polices de toute la planète, en mode même identification, tu vois. Je sais pas si je vais trouver Stranger Things. Non, d'ailleurs, j'ai dit que j'allais chercher Bengiat. Hop. Et ça, vous voulez faire votre contenu Stranger Things, c'est parti. Vous y avez accès directement là. Je vais activer la police, on va prendre celle-ci. Tac. Et c'est activé dans ta suite, j'apprends et aussi moi là, hein. C'est super, je vais repartir avec des trucs. Tu reviens là, tu vois qu'il te met police, nanana. Je vais bientôt avoir un petit machin qui va bouger. Et dire ça, ensuite tu ouvres Photoshop et c'est bon et c'est chargé. Et alors là, je le fais depuis le navigateur, mais j'aurais très bien pu partir sur mon InDesign, j'aurais très bien pu me dire, voilà, je vais me faire un nouveau document dans InDesign de base, je suis à la recherche d'une typo pour écrire Stranger Things, hop, on va le mettre un peu plus grand pour tout le monde, voilà, et je suis en train de rechercher, justement, là, dans mes polices de caractère, je pourrais tout à fait taper le Bengiat, parce que maintenant il doit être arrivé, Bengiat, toc. Elle est déjà là. Mais si je cherche une typo qui ressemble, je vais voir que j'ai d'autres fontes qui peuvent m'inspirer là-dedans. Et typos. Ça, il l'a mis automatiquement ? Et ça, il l'a mis automatiquement. C'est magique. Et derrière, je peux même lui demander de rechercher davantage et d'avoir accès, du coup, à tout ce qui existe sur les Adobe Fonts. Je ne sais plus combien c'est de milliers de familles de caractères. Puis si j'en ai besoin, voilà, je veux la Bennett Banner Black. Alors évidemment, il faut qu'il y ait plus Internet qu'ici. Et comme on est dans une cave, ça ne va pas être simple. Voilà, je veux la Acme Gothique. Hop, je la télécharge. Est-ce que je vais vraiment activer ces 5 polices ? Oui, c'est parti. D'accord, et au-delà de ça, en fait, les questions, les polices disponibles, là, c'est les polices libres de droit ou le fait d'être abonné à la suite Adobe ? C'est le fait d'être abonné à la suite Adobe. Qui te donne droit de l'utiliser professionnellement ? C'est Adobe directement qui te fait la gestion des licences.
D'accord. Du coup, quand t'es en manque d'idées, tu vas dans les jeux de police, puis tu regardes, oh, tiens, alors t'as envie de faire un truc pas drôle, de faire de l'infographie, ils vont te proposer des typos adaptés. T'as envie de faire, remonter plus loin que Stranger Things, tu vas pouvoir retrouver voilà, des typos qui auraient pu être utilisés sur des posters, sur des affiches et tout. Il y a tout un boulot là-dessus. Et puis, tu peux tester, tu peux voir si ça marche. Voilà, j'ai envie d'écrire Stranger Things et de le tester en plus grand. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien voilà, je sais pas si tous les directeurs artistiques de la planète se sont rendus compte qu'ils commençaient à avoir ce genre d'outils à portée de main et pouvoir. Moi, je l'avais pas. Enfin, maintenant, le cœur de mon boulot, c'est pas forcément le design graphique, mais j'en fais. Sur Remember Me, j'avais même fait le logo du jeu, différents trucs, mais ouais, c'est super utile. Ouais, moi, je trouve ça juste génial. Et t'en as besoin, pouf, tu y accèdes direct partout. Parce que là, j'y ai accès ici. Mais si je vais sur une appli genre comp sur mon téléphone portable, je vais pouvoir faire mon poster dans le métro sur le téléphone portable et puis balancer mes Insta derrière à partir de ce truc-là. C'est vraiment assez sympathique de pouvoir bosser comme ça. Et là, donc là, j'ai pris Torunum. Voilà, me demande pas le titre des polices que j'ai choisies. Et donc, quand je vais chercher ça, Torunum, voilà, elle est là. En 2 secondes. C'est cool ça, non ? Ouais. Alors pendant ce temps-là, le chat s'affole. Lorsque tu dessines, quel style de musique écoutes-tu et comment t'aides-t-elle à développer un concept ? Alors du death metal des pays de l'Est uniquement. là, il y a un petit blanc. Non, ça dépend. Parfois, si j'ai besoin de réflexion, c'est-à-dire je parlais de mes mind maps à la base, tout ça, c'est délicat en fait d'écouter de la musique. Soit j'écoute une musique plutôt neutre, genre musique de film, musique orchestrale ou ambiante, électro. Mais en fait, non, je crois que j'évite, j'enlève mon casque ou des fois j'utilise mon casque juste pour m'isoler. Voilà, parce que ouais, ça interfère. Comment dire ? C'est rigolo, je me souviens d'un bouquin, une Bible d'un animateur en fait, un très grand animateur en fait. Et tous les animateurs ont ce bouquin-là à la maison, mais je me souviens plus de son nom. Qui expliquait justement, lui, c'était peut-être un petit peu vieille école, mais que quand tu travailles, en fait, c'était mieux de pas écouter de la musique parce qu'elle t'amenait ailleurs. Moi, je suis partagé parce que des fois, effectivement, quand on est dans le flow, en fait, il y a un truc qui se crée. Ça m'est déjà arrivé d'écouter, quand je bosse sur un projet, une musique similaire. Je dis n'importe quoi, mais quand je bossais sur mon bouquin Merlin, en fait, c'était de la fantasy médiévale avec un mélange de background historique, mythologie. Enfin, il fallait faire dans le crédible. Bah ouais, si je me revisionne Braveheart à côté ou la musique de Braveheart, ça crée un petit peu un truc au niveau. Tout ça, tu vas être influencé par la musique qui fait des références et qui. Ouais. Et des interférences même. Après, par contre, ouais, juste mes goûts. Musicaux là, et je kiffe. Voilà, j'ai parlé d'un musicien que j'adore. J'ai posté des images, je lui avais fait des petites images qu'on a pour le fun. Un musicien français qui s'appelle Igor et qui casse la baraque. Et c'est vraiment pour certains, c'est dur d'écoute. Bah voilà le dessin que t'avais juste au milieu, c'était un portrait de lui. J'avais fait toute une séquence en fait narrative. Et c'est c'est en fait la suite d'une séquence. En fait, j'ai fait le Morningtober de l'année dernière là-dessus. Directement, en gros, il racontait en interview que c'était. Patrick, sa poule, qui composait la musique pour lui. Et donc, c'est un mélange d'électro, parfois du black metal, de symphonique. Et je trouve que c'est super, super riche. On n'est pas dans une structure refrain, couplet-refrain, mais c'est vraiment un paysage. Il y a des samples de bruit d'aspirateur. Est-ce que c'est lui tout ça ou est-ce qu'il n'y a rien là-bas ? J'ai tenté le hashtag Igor. Avec 3R, bah si, je pense que c'est lui. Mais d'habitude, il y a plein de choses qui ont l'air de lui ressembler. Ils ont fait une tournée américaine là, qui était pleine... de tous les côtés. Enfin, je trouve ça remarquable de créativité, quoi. Et j'aime bien. Ouais, moi, ça me fait voyager. C'est une sorte de, pour moi, landscape musical. Comment dire, super balèze. Il y a un autre musicien, un petit peu, comment dire, moins dans le hardcore, mais Venetian Snares aussi, qui crée des trucs. Mais pareil, là, c'est de la musique. C'est un mélange de snares. Merci. Sinon, j'allais chercher des escargots. Ça peut être parfois un petit peu dur d'écoute, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est surprenant. Je sais pas, il y a plein de trucs. J'adore le groupe Tool, avec le fait aussi que... Que c'est un album tous les 7 ans. Ouais, mais que le guitariste aussi, il vient des effets spéciaux, en fait. Il a bossé sur Jurassic Park, sur... Donc, il a créé ce groupe de rock là-bas avec les autres gars... tout ça, et c'est lui qui a un gros background musical et qui s'occupe de tous les clips et tous les packaging. Le clip de Sober. Ouais, bah c'est lui qui l'a fait, en animation, image par image. J'étais pas allé creuser, mais ce truc me stresse à un point tel. Ouais, je trouvais génial, quoi.
Incroyable. Richard Williams, technique d'animation de Richard Williams. Ça se pourrait bien que ce soit ça, ouais. Et donc c'est lui qui disait, voilà, si vous êtes à une tâche, en fait, on n'est pas ailleurs, donc restez focalisé. C'est intéressant. Moi, je ne suis pas toujours de cet avis-là, mais ça peut être une, c'est un vieux monsieur qui parle avec une très gros background. Alors je vous montre des images de YouTube. Je n'ai évidemment pas les droits sur la musique, donc vous ne pourrez pas profiter de tout là. Et vous pourrez aller chercher Sober parce que ce truc était absolument exceptionnel et complètement dégueulasse. Et le groupe, la Tool, là, l'outil de la catharsis, là, c'est devenu vraiment un groupe énorme. Effectivement, ils sont très rares. Là, ils vont peut-être ressortir. T'as vu ? Peut-être qu'ils vont ressortir un album. D'ici quelques mois, ils refont une nouvelle tournée, donc c'est la question. Je crois que c'était des problèmes juridiques. Ouais, il y avait des problèmes juridiques sur le nom, sur les différents membres et tout. Est-ce que je kiffe ? Bah, les membres, par contre, ils sont toujours ensemble. Hein. Depuis le début, c'est le même groupe, même line-up, exactement les mêmes gars. Le chanteur, le bassiste, enfin, tous les gars sont assez fabuleux. Et du coup, ouais, je trouve ça surprenant pour un groupe aussi gros, en fait, d'avoir conservé la... Je trouve ça génial. Le line-up de départ. Le line-up et pas seulement la vision. Enfin, comme dire, le truc visuel, ils font pas appel à une équipe marketing à côté. Quand c'est le réalisateur, enfin le guitariste qui fait les clips vidéo, c'est lui aussi qui fait la DA en fait des albums. Ils avaient fait un truc super là, c'était l'album d'avance, c'était ça a dû coûter cher en plus. T'avais des lunettes anaglyphes dans le packaging du CD, ce qui fait que tu déployais le carton du CD et t'avais tout un petit livret. Et donc c'était Adam Jones, je crois, qui avait pris les photos. Et en fait, t'avais des images en 3D. À chaque fois, ils font des espèces de petits et trucs. Le Lateralus. Celui-là, en fait, il était pas mal intéressant, mais différent. C'était des couches superposées. Non, celui d'à côté, en fait, avec les gros yeux. Si, tu vois, ouais. Bah, la boîte, en fait, physiquement, c'était à l'endroit où tu avais les deux yeux, tu avais deux lentilles. Mmh. En fait, et tu déployais le truc et ça te faisait un espèce de petit coffret qui te permettait de voir le livre à l'intérieur. Et bref, c'est plein de petites astuces. Tu sens que le gars, il est. Il y a une recherche. C'est créatif, quoi. Ça, c'est pas... Et je kiffe ça. Allez, parce qu'il n'était pas assez intelligent pour penser à plusieurs choses à la fois. Il y a beaucoup de ressources sur le concept sur Internet, et s'il est possible d'avoir vos conseils, je suis débutant. Alors moi, je vous recommanderais, Djelali, d'aller chercher. On a fait plein de sessions sur le concept art, notamment en français. Donc vous allez sur france.yamag.co, puisqu'on a retrouvé donc énormément d'artistes. Les interviews, là, ouais. Les interviews, Klaus Pillon, Aura Folny, Alexandre Chaudray, Gronet, Quentin Reignès, Jade Saber, Bastien Grivet, Gary Jamrose Palma. Vous les retrouvez ici, session live Adobe. Vous les retrouvez évidemment sur la chaîne Adobe France, vu qu'elles ont été faites ici. Et vous allez avoir en plus des interviews, qui peuvent être des interviews papier, des interviews audio. Et là-dedans, il va y avoir énormément de références, énormément de contenu. Donc, moi, je vous recommanderais d'aller chercher là-dedans. Voilà, ça c'est fait. Ouais. Et puis, je dirais qu'on va prendre une dernière petite question, parce que là, avec les applaudissements, tout le monde va sortir. Il va y avoir un bruit infernal ici. Et ça signe la fin de notre session, je pense. Et peut-être même la fin de l'événement, non ? Et presque la fin de l'événement. Il reste encore une petite cérémonie de fermeture pour faire bien. Dernière question, vous avez 5 secondes pour nous donner votre dernière question. 3, 2, 1. Pas de question. C'est bouclé. Ouais, je sais qu'il y a le décalage volontairement. 5. À partir du moment où on voit les ballons en entier, c'est que. 2, et c'est 1, ainsi que revient la sous-préfète. Et c'est un au revoir. Ouais, je pense on va repasser en grand écran 2 secondes. Voilà, même sur le fond de départ. J'ai un écran qui s'appelle Merci quelque part, que tu dois pouvoir mettre en arrière-plan. Je sais pas si tu l'as glissé quelque part. Il est jamais arrivé ? Ah bah tu vas le mettre sur une autre ligne. Parce qu'on va bientôt se dire au revoir. Je te remercie beaucoup d'avoir participé, cool, d'avoir été présent. À côté. Bah ouais, c'était pour une fois, on n'était pas très loin. Oui. Votre plat préféré. Merci. Je suis content qu'on ait attendu autant pour les questions. Ouais, alors, c'est quoi ton plat préféré ? Écoute, je sais pas, je suis pas trop difficile. Donc, les œufs bénédicts, j'aime beaucoup. Des œufs Cumberbatch. Une routine de travail, merde. Eh ben, j'ai dû en parler dans le début de l'interview, je pense. Enfin, pas vraiment de routine, mais le fait que si j'ai un gros projet, là, je passe par tout le process des mind maps, me documenter, machin truc. Voilà, faudra remonter dans la vidéo. Faudra remonter dans la vidéo parce qu'il y a un ornithorin qui nous a suivi pendant les deux premiers jours. Il était hyper présent sur le chat. Ouais. Et là, je viens de le voir arriver. Peut-être qu'il s'est réveillé. Il s'est réveillé en mode tiens, il est 17h30, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, ben voilà, cool. Merci à tous. Merci à tous les gens qui nous ont suivis
pendant ces trois dernières journées. On a passé pas mal de temps ensemble à décortiquer le concept, l'animation, le dessin. On a reçu des gens d'un talent énorme. Vous avez vu un petit peu la quantité d'images qu'on a vues. J'en ai pris quelques-uns au piège du dessin. On a eu quelques sessions en anglais, donc pour les francophones, je sais que c'est toujours un peu délicat. Ah, mais c'est une bonne chose de s'y mettre. J'aurais eu besoin de m'y mettre plus tôt, parce que c'est toujours utile, professionnellement. Ouais, si ça devait être le conseil, c'est apprenez à parler anglais, ne ratez pas vos opportunités, c'est important. Ça sera très utile à l'avenir, et peut-être le chinois si les choses changent. C'est ça, ouais, ça avance beaucoup dans cette direction-là. Merci évidemment à Yamag, merci à Patrice, Benjamin, Marine qui ont géré tout ça d'une main de maître. Merci à l'équipe Adobe qui était avec nous sur le stand, que j'ai pas eu le temps de beaucoup voir du coup parce que moi j'étais enfermé ici. Et puis, je pense qu'on se retrouve l'année prochaine sur Yamag. Et puis dès mardi. Mardi, moi, je vais recevoir Prisca sur la chaîne Adobe France. On va parler, Prisca, vous le connaissez sur le lettering. On va parler cette fois-ci de la photo et de la vidéo musicale notamment, parce que c'est devenu une partie prépondérante de son art. Et ça me fait bien plaisir de le recevoir. On va le retrouver aussi dès 10h. Super programme avec une variation importante de longueur de cheveux, tout à fait. Ça, c'est quelqu'un qui a bien suivi. On a démarré avec Jean-Baptiste Monge. Ah oui, ouais. Et on a eu Nicolas Weiss. Je vois pas. Qui a beaucoup moins de cheveux. D'accord. Et moi également, c'est vrai que. C'est ça, ouais. Pour ça, pendant 15 ans, j'ai eu des longs dreadlocks et j'ai tout enlevé. Et le chinois, oh, c'est pas forcément. Ouais, si, forcément un petit peu plus dur. Ça va pas être simple. On va voir, on va y travailler. Allez, sur ce, merci à tous et à très bientôt. Au revoir.